C'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, on est réunis pour parler d'autonomie électrique avec Emmanuel et Charlotte de Off. Juste pour information, donc cet échange sera retransmis sur le forum pour que la discussion puisse continuer. Pour information, donc nous, c'est pas mal de travail pour organiser voilà, des moments de transmission de qualité. Entre professionnels du réseau et du coup les membres de la communauté. Du coup, on vous donne la possibilité de soutenir ce format pour le conserver voilà le plus accessible à tous et le plus disponible via un petit don dans un chapeau virtuel que je ferai circuler au cours de la conférence. Donc ça, c'était la petite info voilà pour si vous avez voilà quelques envie de soutenir ce format-là. Et je vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Emmanuel. Et donc Charlotte qui va nous partager son écran et nous parler d'autonomie électrique. Bonsoir à tous. Ok, bonsoir à tous. Et donc Charlotte et Emmanuel, donc on fait partie d'une plateforme, d'une société qui s'appelle Off et qui fait de l'autonomie depuis un long moment déjà, mais on va petit à petit descendre les slides et vous allez tout comprendre. Je voulais surtout vous remercier à tous d'être là. On est 58 aujourd'hui, voilà, c'est très sympa. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à l'autonomie énergétique et notamment l'autonomie électrique pour le coup ce soir. Voilà, donc on s'est mis d'accord avec Théo qu'on avait 1 heure et demie pour faire notre conférence. On va essayer d'établir un petit timing. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement prendre les sujets un par un et puis poser les questions au fur et à mesure, ça sera plus intéressant, je pense, et puis ça évitera qu'on se perde un petit peu dans le fil du truc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et puis après, on va essayer d'en reprendre quelques-unes, suivant le temps qu'on aura. Nous, on a déjà repéré quelques questions, qui seront abordées pendant l'exposé. Voilà, donc on va commencer tout de suite la présentation, et n'hésitez pas à intervenir. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il n'y a pas de souci, on répondra. Alors attends, je me mets là. Tu peux commencer, Théo. Bien, alors Off, donc, comme je vous le disais, c'est une société qui est spécialisée dans l'autonomie énergétique. Ça fait maintenant, depuis 2010, qu'on est sur la place et on a expérimenté beaucoup, beaucoup de solutions. On a fait des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne marchent pas. Et l'idée ce soir, c'est de vous présenter ce que nous, on a expérimenté qui fonctionne et ce qui est notre logique à nous dans la démarche de l'autonomie électrique qui est de se couper du réseau. Voilà. Donc, rapidement, on va descendre un petit peu le plan de ce soir. Donc, sur l'autonomie électrique, on va commencer par le principe. Oui, 2 petites Tu y es, secondes, Charlotte? ça se lance pas. Ça arrive, on est en train de se caler, ça vient. Bon, on va Voilà. recommencer. Alors, est-ce que c'est parti cette fois-ci? Oui, Voilà, c'est bon. Oui, super. nickel. Voilà. Donc, on a. Je peux rien, c'est bon. Donc, on va commencer par le principe de l'autonomie électrique. On va voir un petit peu le schéma de base. Les premières questions à se poser pour ne pas se tromper. La production avec le photovoltaïque, entre autres. La gestion, le monitoring pour la partie. Cerveau de l'installation, la partie dimensionnement et enfin on va terminer avec le stockage batterie avec beaucoup de questions sur le stockage lithium, plomb ou autre. Voilà, donc ça on essaiera de répondre le mieux possible. En tout cas, ce qu'il ne faut pas oublier dans cette visio, c'est que notre approche, eh ben, ce n'est pas forcément la seule approche qu'il y a, hein. On n'a pas la vérité, on a par contre une approche qu'on a expérimentée. Et vraiment là-dessus, voilà, on est à peu près sûr à 99% de ce qu'on va vous raconter, puisque c'est des choses qu'on a expérimentées et qui fonctionnent. Voilà. Alors, on commence tout de suite déjà par présenter un petit peu Off hein, sur le slide d'après. Donc, Off, c'est une plateforme, comme je vous disais tout à l'heure, qui a une approche vraiment globale sur l'autonomie énergétique. Donc, vous pourrez aller jeter un œil sur notre site pour voir un petit peu ce qui se passe. Nous, on estime qu'en autonomie énergétique, on a 5 postes d'autonomie. Il y a l'eau, l'électricité, le chauffage, la cuisine et l'eau chaude. Et pour nous, ce sont des départements, on va dire, qui sont indissociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser
eau sans penser électricité, parce que dans l'eau, on peut avoir une pompe. On ne peut pas penser chauffage sans penser électricité, parce qu'on a aussi des pompes, etc., etc. Donc, pour nous, si vous voulez, tout est lié. Tout est lié et c'est difficile de penser à dimensionner un système électrique sans penser au reste. Donc, c'est pour ça qu'on aura une approche vraiment globale de l'autonomie. Après, tout peut se faire par poste, hein. On peut faire les choses poste par poste, ce n'est pas le problème. Mais en tout cas, il va falloir qu'on ait dès le départ cette approche globale pour bien comprendre et qu'il n'y ait pas de fausses routes au cours d'installation. Alors, nous, il y a une chose qui est très importante chez OFF, c'est qu'en fait, on va mettre le vivant au milieu de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas vous proposer un système de filtration pour l'eau avec une osmose inverse. Parce qu'on sait très bien que l'osmose inverse, c'est quelque chose qui détruit l'eau. Et chez nous, le vivant, c'est quelque chose qui est super important, y compris dans l'électricité, dans le chauffage, hein, bien sûr, dans tous les postes. Et donc, on va mettre ça vraiment au cœur de nos décisions quand on va choisir un produit, quand on va expérimenter un produit. Ce qui va être très important, c'est l'approche aussi du vivant et la partie géobiologique des choses. Voilà, donc comme je vous disais, c'est une boîte qui est aujourd'hui qui est de 2010. T'es passé un peu vite, c'est pas grave. Pardon. Qui est de 2010. Une chose très importante, c'est que tous les gens qui travaillent avec nous sont des gens qui vivent en autonomie, c'est-à-dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Hein, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, mais comment je sais que ce qu'on m'a dit sur le net ou ce que j'ai entendu et comment je peux savoir si c'est vrai? Ben, je dis, ben, demandez au gars qui vous l'a dit, s'il a expérimenté, s'il a vécu en autonomie. Il y a des gens qui nous disent, aujourd'hui, les batteries, ça ne marche pas, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas. Ben, venez vivre en autonomie, vous allez voir que ça fonctionne très bien, hein, par exemple. Voilà. Et puis le but de OFF, ben, c'est vraiment de vous rendre complètement indépendant, 100% si c'est possible. Voilà, on est capable, en tout cas, techniquement et technologiquement, de vous rendre indépendant. C'est après une histoire de comportement et de suivi à l'année. Voilà. On continue la présentation avec ce qu'on fait quand on est sur place avec vous, et ben c'est de la formation d'autoconstruction. C'est vraiment notre ligne de conduite aujourd'hui. On a fait pendant un temps des installations en tant qu'installateur artisan et on s'est rendu compte que et ben, les gens qui étaient avec nous pour installer leur système sont aujourd'hui complètement autonomes aussi dans l'entretien, dans la compréhension des choses. Donc du coup, on s'est dit, bah, tiens, peut-être que c'est finalement par là qu'il faut aller. Et effectivement, depuis qu'on va par là, on a beaucoup plus d'échos, de retours qui sont très intéressants. Les gens sont vraiment en phase avec le système puisque du coup, ils le comprennent très bien. Et on a des gens concrètement qui ne nous appellent plus. Voilà, c'est-à-dire que le système en place, il est mis en service parce qu'en fait, on va tout faire. Hein, pour vous expliquer un petit peu, c'est que depuis la première visite jusqu'à la mise en service, en fait, on vous accompagne tout au long du process. Avec des moments où vous allez potentiellement pouvoir faire des choses tout seul, genre par exemple poser des panneaux ou en tout cas les structures, sortir les gaines, préparer le tableau, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire tout seul. Et après, nous, on arrive et on finalise les choses avec vous. On va connecter les panneaux ensemble, on va connecter les batteries, on fait la mise en service. Et au terme de la mise en service, il y a des gens qui, en étant en autoconstruction, ne nous rappellent jamais parce qu'ils ont très bien compris leurs principes. Et leur système et tout fonctionne bien. Voilà. Alors qu'on a vu certaines personnes où c'était justement quand on était artisan, qu'on faisait tout, ben c'était un peu plus compliqué. Il y a des gens qui nous appellent encore au bout de 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Alors c'est peut-être aussi nous qui ne sommes pas expliqués correctement, hein, mais la plupart du temps, voilà, il y a cette chose qui est devenue, voilà, très importante de faire de la formation autoconstruction. Donc, parce qu'il y avait des questions là-dessus dans le chat, hein, au départ, donc voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous accompagne et vous pouvez faire tout seul. Ça vous coûtera moins cher en plus, donc c'est très bien. Voilà. Alors ensuite, ça c'est la petite vidéo. Donc notre principe, est-ce que vous entendez là? Est-ce que vous avez le son là? Non, on Alors n'a c'est pas le son. pas Non, grave. j'ai C'est pas pas le son. grave, tant pis. Voilà, vous avez le petit déroulé. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionne un système autonome. On le reverra, hein. Ça va être revu, revu, revu pour que vous l'appreniez bien. Donc, en fait, vous avez les panneaux qui envoient de l'énergie
au chargeur solaire qui envoie de l'énergie dans les batteries ou dans le convertisseur et qui alimente la maison. Alors ça, c'est un process. Alors, selon la météo, selon s'il y a du soleil, des nuages, si c'est la nuit, si c'est l'hiver, on va avoir un fonctionnement un petit peu différent qui est expliqué. Voilà, quand il y a du son, c'est mieux, mais tant pis, vous l'aurez, cette vidéo, vous l'avez sur le site, hein, donc vous pouvez la regarder à nouveau. Vous avez donc la nuit, la batterie qui se décharge pour alimenter justement la maison, et puis le matin, hein, dès que le soleil revient, ça recharge la batterie. En hiver, on a un petit complément avec un groupe électrogène qui peut avoir lieu, selon encore une fois comment vous consommez et quel est votre comportement pendant l'hiver. Et puis au retour des beaux jours, tout revient dans l'ordre et on peut reprendre une activité normale. Et tout ça avec des panneaux solaires et des batteries qui sont garanties 100 ans. Voilà, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, bon, avec le son, ça aurait été mieux, mais tant pis. On a pu Voilà, faire on est bien d'accord. le test. On n'a pas fait Oui, ce test-là. c'est vrai, on a oublié celui-là. C'est Ouais. dommage. C'était quand même didactique. Ouais. Alors, les premières questions qu'on va se poser quand on a envie de partir sur un projet d'autonomie électrique, c'est est-ce que je veux être autonome, est-ce que je veux être en autoconsommation? La principale réponse à ça, c'est en lien avec les batteries. C'est-à-dire qu'une autonomie, vous avez des batteries, une autoconsommation, vous n'avez pas de batterie. Dans les deux cas, vous avez des panneaux qui produisent de l'énergie que vous pouvez autoconsommer dans la journée. Hein, mais il y en a une qui va pouvoir vous permettre d'avoir une consommation ici nocturne grâce au solaire et avec les batteries. Et l'autre, c'est l'autoconsommation qui vous oblige à passer sur le réseau en fin de journée quand il n'y a plus de soleil sur les panneaux. Voilà. Et si on est en autonomie, donc qu'est-ce qui va être important? C'est de bien calculer et de bien savoir qu'est-ce qu'on veut alimenter dans notre maison. Alors, tout ce qu'on peut alimenter, on va dire, en temps normal, c'est-à-dire machine à laver, la vaisselle, l'aspirateur, sèche-cheveux, télévision, tout ce qui est Hi-Fi, tout ce qui est électroménager, etc. Il n'y a aucun souci, ça passera sans problème sur une autonomie. Hein, donc ça, il faut bien se le dire, il n'y a pas de souci. Par contre, et c'est la photo d'après, voilà, il y a des choses qu'on ne pourra pas alimenter ou en tout cas qu'on ne pourra jamais vous garantir. Ça va être tout ce qui est pompe à chaleur, tout ce qui est radiateur électrique, tout ce qui est four électrique, tout ce qui est ballon d'eau chaude électrique et les plaques de cuisson électrique. Alors ça, c'est des choses, on va dire que ça, c'est possible d'alimenter ça en été, c'est possible à mi-saison de temps en temps, mais en tous les cas, ça sera jamais possible ou très rarement possible en hiver. Et donc pour nous, si vous voulez, ce n'est pas une solution pérenne, parce que si je ne peux pas alimenter ma pompe à chaleur en plein hiver, bah, à quoi ça sert d'avoir des panneaux, quoi. Voilà. Donc il vaut mieux avoir, dans ces cas-là, d'autres systèmes. Donc, par contre, ce qu'on pourrait alimenter qui est assez énergivore, c'est des choses comme la climatisation ou la voiture électrique occasionnellement, hein, en été seulement, parce que c'est là qu'il y a une grosse production d'énergie. Donc, éventuellement, dans ces moments-là, voilà, on pourra alimenter une clim ou une voiture électrique, même si on n'est pas fan de la voiture électrique chez nous, mais voilà, potentiellement, ça peut se faire. Hein, voilà, donc, une fois qu'on a fait le point sur tout ce qu'on peut alimenter, tout ce qu'on ne peut pas alimenter, on va pouvoir définir un dimensionnement. Et le dimensionnement, ben, ça veut dire qu'est-ce que je mets comme panneau, qu'est-ce que je mets comme conversion, quelle puissance je mets et quelle puissance batterie je vais mettre derrière, quelle capacité batterie. C'est ça un dimensionnement correct, mais avant, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Et si, eh ben, par malchance, on a des solutions où on a des appareils trop énergivores dans notre habitation, ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller chercher des solutions alternatives. Pour justement compenser. C'est-à-dire qu'une pompe à chaleur ou un ballon électrique, plutôt qu'il soit électrique, ben justement, on va le passer sur le solaire. La pompe à chaleur, on va prendre un poêle à bois. La plaque de cuisson, on va prendre le gaz. Alors, quand je dis gaz, ça peut être soit bouteille de gaz, soit méthanisation. Vous voyez, il y a des alternatives. Donc, l'idée, c'est de venir à ça petit à petit. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est important d'avoir une vision globale de votre projet. Parce que même si vous ne faites pas tout d'un coup, on ne va pas dimensionner, par exemple, on va pas mettre des panneaux spécifiquement pour un ballon d'eau chaude électrique, alors que dans un an ou deux, vous allez passer sur un ballon solaire. Donc l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de faire la part des choses dès le départ. Hein, que vous preniez bien
le principe. OK? Donc, une fois qu'on a trouvé ces solutions alternatives, on passe à la suite. Ça, c'est les premières questions. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Vous pouvez Niveau procéder lecture. en utilisant les réactions en bas de votre écran pour prendre la parole. Ou sinon, je vous inviterai à ouvrir vos micros et les poser directement. Ce sera peut-être plus direct et plus sympathique en termes d'échange. Il y a quelqu'un qui voulait en savoir plus sur l'osmose inverse. Il y a quelqu'un qui. C'est Arnaud. Ouais, eh ben, on refera une conférence à ce niveau-là, hein? Parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a des, il y a Méthode de tellement de choses à gérer. filtration, ouais, c'est Ouais, il y quelqu'un a a tellement de choses à répondu, voilà, gérer. une méthode de filtration pour potabiliser l'eau. Et donc, il y a Stéphane qui demande quid de l'éolienne à axe vertical? On va en parler tout à l'heure, mais on peut en dire deux mots maintenant. Tout ce qui est éolien, si vous voulez, c'est. Moi, j'ai travaillé 5 ans dans l'éolienne avant de partir sur le photovoltaïque. C'est sympa, mais ce n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que pour moi, rien ne remplacera le photovoltaïque. Parce que lui, quoi qu'il arrive, tous les jours, il fonctionnera. Même quand il y a du brouillard, même quand il y a de la neige. Alors, il faut enlever la neige qu'il y a dessus, mais il fonctionnera. Alors que l'éolien, on ne peut pas le garantir. Et en tous les cas, les puissances ne sont pas. Sont beaucoup plus faibles. Donc c'est pour moi, c'est pourquoi pas faire de l'éolien, oui, mais pour moi, c'est photovoltaïque en premier. Voilà. Et que ce soit axe vertical ou axe horizontal, j'ai envie de dire, l'axe horizontal, il va être un peu plus performant que l'axe vertical. Hein, l'horizontal, donc il est comme ça. Donc vous avez l'hélice qui tourne comme ça. Et l'axe vertical, il est comme ça, et vous avez l'hélice qui tourne autour. Et le fait d'avoir cette hélice qui tourne autour, pour tous les essais qu'on a faits, si vous voulez, bah même si on a des cuillères d'un côté et de l'autre, on a quand même une résistance au moment où l'hélice tourne, et ce qui fait qu'on n'a pas un couple phénoménal sur ces éoliennes-là. Donc voilà, ça tourne plus, mais ce n'est pas parce que ça tourne que ça produit. Et ça, c'est un truc super important à retenir. Alors encore une fois, je vous inviterai à prioriser les questions à l'oral, s'il vous plaît. Surtout, voilà, ça vous permettra de développer un peu le propos et ce sera un peu plus direct. Mais je peux quand même Après, rapporter la question de Sylviana qui disait passer du ballon ECS au ballon solaire, ça ne change pas de problème. Le problème de l'ECS, parce que sans soleil, pas d'eau chaude non plus, non. J'ai pas mis le ton. alors, tout dépend ce qu'on appelle pas de soleil. Si vous voulez, nous, tout ce qui est ECS, donc ECS, ça veut dire eau chaude sanitaire. Si on le passe en solaire, si votre installation est bien dimensionnée, bien faite, encore une fois, ce n'est pas le sujet ce soir, on est dans l'électrique, mais bon, voilà. Normalement, c'est un capteur de. Alors, un capteur, ça fait 1,20 m sur 2 mètres, en gros. Ça fait 2,5 mètres carrés. Normalement, c'est donné pour 100 litres. L'équivalent, c'est ça. C'est un capteur pour 100 litres. Un À capteur condition. thermique. Capteur thermique, oui, pardon. Pas capteur photovoltaïque. Hein. Et Parce donc, qu'il y a thermique et photovoltaïque, quoi. Parce que voilà, c'est solaire, ça. ça peut englober les deux, mais donc. Et donc, du coup, voilà, si votre dimensionnement est bien fait, normalement, on va dire, allez, entre mars et octobre, vous n'avez pas besoin de chauffer l'eau par autre chose que par le capteur. Ça marchera tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc, après, voilà, c'est à voir, mais il peut y avoir un petit complément au bois de temps en temps. Mais bon, voilà, encore une fois, ça peut faire l'objet d'une autre conférence dans laquelle on peut évoquer toutes les solutions qui concernent le thermique. C'est que les capteurs thermiques chauffent beaucoup plus l'eau que le photovoltaïque en fait. C'est L'électrique, ça. Ouais. En fait, c'est pas un fait pour, c'est capteur pas fait thermique, pour. il est minimum 7 fois plus puissant en surface égale, hein. Surface égale à un thermique est 7 fois plus puissant que du photovoltaïque. Donc, il vaut mieux chauffer son eau chaude avec du thermique, avec un capteur thermique, qu'avec du photovoltaïque. Vous êtes sûr d'avoir de la chauffe tout le temps, même si c'est une chauffe, allez, à 30-35 degrés, ça chauffera toujours mieux que l'électrique. Hein, voilà. Mais ça, je veux dire, bon, voilà, on est un peu hors sujet ce soir, mais c'est bien de l'évoquer un petit peu. Mais voilà, on va continuer un petit peu sur la partie électrique. Je vous laisse peut-être continuer, Emmanuel. Ouais, allez, on continue. Il est Bon. 6h30. Ouais. Reprenons.
La Donc la production. production. Alors la production, on a quatre types de production différentes. C'est d'une part le photovoltaïque, comme je vous disais, qui est vraiment prédominant, qui est prioritaire sur la production autonome. Ensuite, on peut arriver sur l'éolien, l'hydrolien, et pour finir avec le groupe électrogène. Donc on va descendre un petit peu ces quatre types de solutions. Le photovoltaïque, donc en premier, on a évoqué donc tout à l'heure nos besoins. Donc nos besoins, ce qu'on pouvait alimenter, ce qu'on ne pouvait pas alimenter. En fonction de ça, on va calculer des consommations, hein, des watts-heure. Et puis, on a un système qui s'appelle PVGIS, enfin un logiciel, qui est un logiciel de statistique d'ensoleillement sur les 10 dernières années, qui est au niveau européen, qui va vous donner des graphiques voilà, comme celui-là. Vous allez rentrer donc le nombre de panneaux que vous pensez mettre sur votre installation, et ça va vous donner tous les mois votre production potentielle. Alors c'est du potentiel, c'est de la moyenne, ça reste quand même un petit peu à doser, mais sur le principe, on est quand même assez proche de la réalité. On est même un petit peu en dessous la plupart du temps. Hein. Voilà. Donc ça nous permet comme ça, cet outil-là, donc vous le retrouvez sur le net. Hein. C'est un outil qui permet déjà de notamment de voir ce qui se passe en hiver, parce que en autonomie, la seule chose qui est vraiment importante, c'est de savoir en novembre, décembre et janvier, qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme énergie. Voilà, vous voyez par exemple sur ce graphique, le graphique bleu, qu'entre novembre, décembre et janvier, ce n'est pas des mois très productifs, donc on va essayer de trouver une autre solution. De mettre les panneaux ailleurs, de les mettre autrement, d'en mettre un peu plus, etc., etc. Voilà. Encore une fois, on se focalise vraiment sur ces 3 mois-là. Le reste de l'année, il n'y a aucun problème. Si ça passe en novembre, décembre, janvier, ça passera le reste de l'année sans problème. Voilà, donc le photovoltaïque. Ensuite, on va se poser la question sur quel panneau choisir. Alors, chez nous, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est le vivant. Pas seulement la technologie, pas seulement la technique. Et en photovoltaïque, on sait très bien qu'on a, ben, on a, voilà, on a un bilan carbone à respecter. On va essayer d'aller le plus loin possible dans la démarche du durable, du pérenne, de l'éthique, de la performance, etc. Et pour nous, le panneau, il va falloir qu'il soit bivert, c'est-à-dire qu'il y ait du verre des deux côtés pour qu'il soit plus solide et plus durable. Aujourd'hui, on a des technologies qui s'appellent les demi-cellules qui sont encore plus performantes. On a des technologies de bifaciale, c'est-à-dire que le panneau est produit des deux côtés, non seulement côté soleil, mais aussi de l'autre côté. Donc là, on est sur des hauts rendements, on est sur des durées de vie qui sont supérieures à 80 ans, donc on est même sur des 120 ans d'utilisation. On a des panneaux solaires qui sont recyclables, hein, même à plus de 97%, qui sont fabriqués localement, enfin encore pour l'instant, et puis qui sont à des tarifs finalement raisonnables. Voilà. Et nous, on a dégoté deux marques qui font ça. Donc, il y a à la fois Meyer Burger, qui est un fabricant allemand et suisse. Et c'est le seul fabricant au monde à produire constamment, pas constamment, qui a produit toutes ses pièces, pardon, complètement en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce qui vient de Chine. Hein, que ce soit la cellule, que ce soit les diodes, que ce soit l'aluminium, etc. Il n'y a aucune pièce qui vient de Chine et on est sur des tarifs tout à fait compétitifs par rapport au marché. On est certes un peu plus cher, mais on est en même temps sur la Rolls du photovoltaïque. Voilà, alors, je n'ai pas d'action chez Meyer Burger, hein, je vous en parle juste parce que pour nous, c'est vraiment le top en termes d'écologie. Et on a aussi une autre marque qui s'appelle Luxor, qui est une marque allemande. Par contre, eux, pour le coup, ils fabriquent en Asie. Ils ont une qualité qui est légèrement moindre. On est plutôt de l'ordre de 80 ans de durée de vie avec une performance un petit peu moindre, mais qui reste franchement voilà, tout à fait raisonnable par rapport à d'autres marques, et on va dire à 90% des marques. Voilà. Et on n'oublie pas l'aspect super important qui est le recyclage des panneaux. Aujourd'hui, on entend encore des choses, les panneaux ne sont pas recyclables. Si, c'est, tout est recyclable. Tous les panneaux aujourd'hui se recyclent par cet organisme qui s'appelle Soren. Vous ramenez vos panneaux en déchetterie et normalement la déchetterie vous les amène chez Soren ou chez votre fabricant et chez votre revendeur, pardon. Et tout est recyclé. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous au niveau des choix. Ensuite, vous avez la partie fiche technique. Donc ça c'est un exemple de fiche technique de panneau Meyer Burger. Donc il y a plein d'infos, il y a des choses qui sont très importantes comme le rendement, comme ce qu'on appelle la VOC, c'est-à-dire les volts
VOC, c'est Volt Open Circuit, c'est-à-dire que c'est la tension à vide du panneau. Ça va nous permettre de pouvoir savoir par combien on va les assembler après, etc., etc. On a bah, notamment, par exemple, vous voyez la dégradation annuelle dans les garanties, garantie meilleur burger, vous avez dégradation annuelle, c'est 0,2% par an. Ça veut dire que votre panneau, ben, il ne va pas se dégrader très vite et qu'il va être performant pendant de très nombreuses années. On est encore ici à 93% de rendement après 30 ans. Voilà, donc pour nous, c'est, ben voilà, comme je vous disais, c'est vraiment la Rolls à ce niveau-là, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ouais, certes, on va acheter un petit peu plus cher au départ, mais derrière, on ne rachète pas dans 15 ans ou 20 ans. Puisque ça y est, notre panneau, on l'a et on le garde pour nos enfants ou les gens qui rachèteront la maison, etc., etc. Alors ensuite, les systèmes de montage. Donc rapidement, vous avez les systèmes en surtoiture. Donc ça, c'est juste posé sur le toit. Donc là, il n'y a pas de problème d'étanchéité, c'est posé sur un toit. Vous avez le plein champ sur des graviers, parce que ça, c'est des panneaux, par exemple, je crois que c'est des meilleurs burgers. Et Oui, c'est ça. c'est des bifaciaux. Donc, du coup, ben, si on met des graviers blancs derrière, ben, du coup, on va avoir une réflexion, ce qui fait que le panneau va produire aussi à l'arrière, notamment en hiver. Donc, c'est intéressant. Ensuite, vous avez ben, ce qu'on appelle le carport ou la pergola. Donc, ça, c'est l'avantage aussi d'avoir des panneaux bifaciaux, c'est qu'en fait, ben, ils produisent des deux côtés, ils sont un peu transparents. Vous avez ce qu'on appelle le mural. Aussi, hein, c'est la même chose que le plein champ, mais en fait on l'inverse pour l'accrocher au mur. Et puis enfin, vous avez des petits systèmes qui permettent de surélever un petit peu les panneaux quand on n'a pas une super inclinaison de toit. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus chercher le soleil, notamment en hiver. Voilà. Mais on évite de faire des trop grosses inclinaisons parce qu'après on a des problèmes de vent et il ne faut pas non plus que ça arrache tout. Hein. Donc voilà, c'est. Tous ces systèmes, nous on travaille beaucoup avec K2, qui est encore une marque allemande. Désolé pour les Français, mais bon, là-dedans, on n'est pas très très bon. Et ils ont vraiment une qualité, on va dire que la partie vent violent, c'est jusqu'à 120-130. Après 130 km/h, vous êtes considéré comme catastrophe naturelle. Donc on n'est pas censé faire tenir les panneaux jusque-là. Et on a des clients qui ont eu des vents de 180 km/h. Et voilà, tout a bien tenu, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Après, possible sur conteneur, oui, bien sûr, on pose ça sur des conteneurs, sur tout ce qu'on veut. Il y a tous les systèmes de fixation possibles. Aucun souci à ce niveau-là. À plat, ouais, pour l'été, ouais, mais le problème, c'est l'hiver, quoi. L'hiver, à plat, c'est pas exceptionnel, à moins de pouvoir les relever en hiver et puis d'arriver à choper le soleil. En hiver, le soleil, il y a 18 degrés, hein, donc il est très bas. Si vous avez un panneau qui est comme ça, qui est à 45 degrés, c'est parfait. Maintenant, si vous êtes en été, vous avez le soleil qui est au-dessus, et bien, du coup, il va falloir que votre panneau soit comme ça. Voilà. Et la logique voudrait que finalement, ben, on se mette à 45 degrés, parce que ce soit été comme hiver, on aura une performance qui sera moyenne. Alors après, si on a les capacités de faire varier son parc, bah c'est très bien. Si on n'a pas cette capacité, on restera à 45 degrés, ce qui est l'équivalent de la meilleure performance. OK. Alors, au niveau réglementation, donc voilà, on nous a posé les questions aussi là-dessus, donc on va y répondre assez vite. Alors, vous avez toutes les infos sur notre site. Ça, c'est voilà, notre point du site. Donc, la réglementation, elle concerne surtout la pose du panneau, est-ce que j'ai le droit de les mettre sur mon toit? Est-ce que j'ai le droit de les mettre sur mon sol? Donc vous avez, voilà, ici, par exemple, si on a un parc supérieur à 3 kg, bah, on a le droit de les mettre en plein champ, on a le droit de les mettre en toiture, à condition de faire une déclaration de travaux. Si on a moins de 3 kg de panneau, on n'est pas obligé de faire la déclaration de travaux. Si on est en maison neuve, on aura un permis de construire. Si on a un site classé, il faudra. Voilà, il y a certaines choses qu'il faut. Faut tenir compte, donc c'est assez détaillé, c'est assez bien fait. Puis vous avez le lien sur le site source du service public qui vous donnera tous les détails. Après, aujourd'hui, de plus en plus avec les bâtiments de France, on arrive à négocier, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, ils comprennent quand même que la nécessité de mettre du photovoltaïque, ben voilà, c'est pas déconnant et puis c'est pas si moche que ça finalement.
Donc ça passe de plus en plus. Voilà. Et si vraiment, vraiment, il ne passe pas, il y a encore l'option tuile photovoltaïque. Meyer Burger en fait, par exemple. Bon, là, on n'est pas sur les mêmes coûts, hein, parce que forcément, c'est beaucoup plus cher. Et puis, en même temps, bah, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, il y a moins de performance, mais ça reste quand même correct. Voilà, on peut complètement couvrir un toit de tuiles photovoltaïques. Ça peut se faire. Petite aussi aparté sur les subventions, eh ben, il n'y en a pas. Voilà, parce qu'en autonomie, dès l'instant que vous mettez des panneaux photovoltaïques, eh ben, il n'y a pas de subvention. Dès l'instant que vous mettez des batteries, pardon. Les subventions sont uniquement faites si vous revendez votre énergie à EDF ou si On vous ne vous réinjectez. encouragera pas, on vous Ah non. encouragera pas à devenir autonome. Non, ça c'est sûr qu'on ne Voilà. vous encouragera pas à ce niveau-là. La seule chose sur laquelle on nous accorde une petite aide, c'est sur la TVA qui est, au lieu d'être à 20%, on est à 10%, même à 5,5% si votre alimentation électrique, elle, alimente du thermique. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un ECS, un ballon d'eau chaude thermique, et que vous avez une petite pompe électrique, ben, il va bien falloir l'alimenter, cette pompe. Et là, comme le système électrique va alimenter cette pompe, on peut déduire à 5,5% la TVA. On peut passer à 5,5%. Voilà, donc c'est la seule aide qu'on aura. Après, quelque part, c'est bien qu'il n'y ait pas trop d'aide parce que ça va inciter les gens aussi à, quand ils investissent dans quelque chose, ben, en prendre soin. Beaucoup plus que quand c'est des subventions. Ou des fois, ben, on n'a pas forcément conscience du truc. Et le problème aussi des subventions, c'est que l'artisan, ben, quand il a une subvention, il augmente son prix. Hein, donc, voilà, pour toucher la subvention. Donc, bon, ben, moi, je préfère rester honnête avec vous. Ben voilà, ça coûte tant, point barre. Ben, voilà, on s'arrête là. Et puis, et plutôt que d'avoir des subventions d'État, moi, je préfère de plus en plus partir sur des prêts participatifs. Si vous connaissez, c'est des prêts qui sont faits entre particuliers. Il y a de plus en plus d'assos ou de réseaux qui font ça aujourd'hui. Nous, on va mettre en ligne prochainement d'ailleurs un petit PDF qui vous explique un peu comment faire. Si vous avez quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent, ben voilà, c'est finalement pas plus mal. Ça évite que ça reste en épargne. Et au moins, ça fait quelque chose qui a du sens. Voilà, donc on est plutôt dans cette démarche-là que les subventions de l'État. Il y a Vincent qui te demandait si l'installation elle permettait de revendre à EDF. Non. Alors, en autonomie, si tu veux, on verra tout à l'heure, il y a différentes configs possibles. Il y a des configs où tu peux rester connecté au réseau. En étant connecté au réseau, tu peux réinjecter sur le réseau. Mais par contre, ça sera gratuitement, à moins que tu fasses un contrat de revente du surplus. C'est possible, hein, mais aujourd'hui, les contrats de revente, c'est 3 centimes du kilowatt, donc ça ne vaut vraiment pas le coup. Ça va te faire 300, 400 balles dans l'année, donc ce n'est pas très intéressant, à mon avis, de faire ça. Le mieux, c'est de ne pas réinjecter sur le réseau, sauf si tu as un compteur à roue. Les vieux compteurs noirs, là, à roue, ça peut valoir le coup parce que du coup, il va tourner dans l'autre sens. Donc, ça peut faire une réduction d'électricité en été, qu'on récupère en hiver. Ah, mais ça, voilà, on va l'évoquer un petit peu tout à l'heure dans les configurations. Il y a des interventions sur les subventions, mais peut-être que du coup on pourra réaborder le sujet à la fin Ouais, sur. après, dans les questions, ouais. Ouais. Alors, deux mots sur l'éolien. Donc, voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bon, l'éolien, voilà, pour nous, ce n'est pas du prioritaire. Ça reste quelque chose qui. Alors, moi, j'ai une éolienne bah, de ce type-là, justement, qui est une éolienne. Bon, ça reste chinois à la base, hein, avec des pales qui sont faites au Portugal pour ne pas faire de bruit. C'est une éolienne qui, allez, qui m'a. En hiver, elle m'a permis de faire quelques kilowatts quand même, avec un peu de vent, et ça m'a économisé peut-être une heure ou deux de groupe électrogène. Voilà, c'est tout. Donc on va dire que ce n'est pas un investissement super rentable, mais ça peut de temps en temps sauver la mise, éviter d'allumer le groupe. Voilà. Après, ça coûte quand même entre 2 et 3 000 balles. Bon, voilà, il faut voir si ça peut valoir Ça le coup. dépend peut-être où on habite aussi, quoi. Si on est dans Ça dépend où on une. habite. L'idée, c'est qu'en fait, l'éolien, c'est super intéressant quand vous avez une force qui est régulière, qui est laminaire. Vous avez un vent laminaire, c'est très bien parce que vous avez une cinétique qui est constante. Et du coup, la génératrice, elle va tourner à son optimum. Si maintenant, vous avez des rafales de vent sans arrêt, puis que ça tourne, que ça s'arrête, etc., bon, là, ça produit, ça va faire des pics de 200 watts, puis après, ça redescend, puis ça va faire un pic. Puis...
Donc là, on n'est pas sur quelque chose de super performant, quoi. Voilà, donc en fait, le bord de mer, à la limite, ça peut le faire. Selon la hauteur aussi, ça peut le faire. Voilà, mais ça reste quand même. C'est pas quelque chose pour moi de prioritaire, en tout cas. Voilà. Alors, par contre, on peut adapter ça à tous les systèmes, hein, sans problème. Bon, on en reviendra tout à l'heure, de toute façon, mais voilà. On va continuer. Donc, ce qu'il faut juste savoir pour l'éolien, c'est que l'idéal, c'est de transporter l'énergie en courant alternatif. Donc, idéalement en triphasé, parce que comme ça, on transporte le courant beaucoup plus loin. Et seulement au niveau des batteries, on va mettre un pont redresseur et charger la batterie en courant continu. Mais tout le transport va se faire en courant alternatif. Alors, il y a des régulateurs éoliens pour ça, hein. On va choisir le régulateur en fonction de sa puissance et de son voltage. Voilà, il y a quelques exemples de régulateurs, donc soit chez Victron, soit ailleurs, vous avez des modèles qui sont, voilà, qui peuvent répondre à vos attentes. Généralement, le régulateur, il est vendu avec l'éolienne, hein, pour être bien compatible. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez une batterie à charger. Donc, il va falloir qu'on puisse rentrer des paramètres qui correspondent à la batterie pour que ça puisse coller le mieux possible à la charge. Voilà, bon, on ne va pas s'éterniser plus que ça sur l'éolien. Faut juste savoir, oui, qu'on a. Voilà, ça, c'est un petit clin d'œil. Il y a un ami qui s'appelle Jay, qui a une association qui fait des éoliennes. Donc, vous pouvez vous-même construire votre éolienne de A à Z. C'est-à-dire que vous partez de la pale en bois, vous allez construire le mât, vous allez construire la génératrice, vous allez construire voilà, tout le système. Ça s'appelle T-Hole et c'est Tripalium. Et voilà, donc ça se fait. Moi, j'ai des clients qui ont installé ça. On a essayé de connecter. On va dire que c'est des systèmes qui fonctionnent très bien, c'est assez puissant. Par contre, ben voilà, c'est tellement puissant des fois que le mât il tombe, donc ben, vous pétez une pale et du coup ben, il faut descendre le mât, il faut réparer pendant ce temps, vous n'avez pas de jus sauf si vous avez des panneaux photovoltaïques. Ouais, donc du coup ça reste de la mécanique. De toute façon, dès l'instant que vous avez un mouvement, ça reste une mécanique et ça va s'user, il y a un entretien à faire, etc. Alors que le photovoltaïque, vous le posez, terminé. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, en termes d'efficacité, voilà. On reste sur quelque chose de propre avec le photovoltaïque, ce qui n'empêche que derrière, on peut ajouter d'autres sources. Il y a Christian qui demande s'il existe un équivalent de PVJ pour calculer la pertinence d'une éolienne. Je crois que oui, mais j'ai pas. Faudrait demander à T-Hole, je pense que Jay, ça, il sait ça. À mon avis, ouais, il y a un site de gisement de vent. Mais après, ça dépend aussi beaucoup de la hauteur, ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes, parce que si la moindre cuvette, ça y est, c'est fini. Donc là, c'est assez particulier. Ouais. Mais il me semble que oui, alors ça n'empêche que si vous voulez, même si vous avez ce site, de toute façon, ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter un anémomètre, et puis vous le mettez pendant quelques mois sur la hauteur où vous voulez mettre votre éolienne, et puis vous allez voir ce qui se passe. L'anémomètre, en principe, il enregistre tout et ça vous donne comme ça un historique sur 6 mois des courants de vent. Voilà, voir si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, si vous avez un vent qui est laminaire, ça vaut le coup. Si vous avez des rafales de vent, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. Ok, on va avancer un petit peu. Oui. Alors L'hydrolien. ensuite, l'hydrolien. L'hydrolien, bah, là, c'est encore pour le coup, c'est encore, on va dire, plus spécifique que l'éolienne, parce que l'hydrolien, il faut avoir un cours d'eau, il faut avoir suffisamment de force pour faire tourner une roue qui va faire tourner une génératrice qui va produire du courant. Donc ça, c'est vraiment réservé à quelques personnes en montagne qui peuvent se permettre ça, ou quelques personnes qui habitent près d'un torrent, d'une rivière. Voilà, donc c'est encore plus rare, mais on va quand même l'évoquer un peu. Donc c'est le même principe, hein. Vous voyez par exemple à gauche, là, voilà, c'est une petite turbine made in China. Ça vaut quand même 2000-2500 € et on n'est pas sur des super qualités, sur super rendement. Là, on est sur du 400 watts. Bon voilà, ça fonctionne. Ça implique une petite régulation derrière. Donc même principe, hein, on va transporter l'énergie le plus possible en courant alternatif en 220 volts. Et on va charger la batterie au dernier moment. Voilà, avec toujours des régulateurs. L'idée, c'est qu'en fait, si vous avez ces projets-là, ça n'empêche pas de commencer votre installation avec du photovoltaïque. Vous prévoyez ce qu'on appelle des bus-bars. Donc, le bus-bar, c'est une barre de plus, une barre de moins.
comme une prise, une multiprise. Et en fait, au moment où vous allez arriver avec votre éolienne que vous allez connecter, vous la mettez dans la multiprise et puis ça va vous faire un appareil de plus. Mais ça, c'est tout à fait possible de le prévoir dès le départ. Et puis après, d'adapter au fur et à mesure de vos besoins. Voilà, donc hydrolien, bon voilà, on va l'évoquer vite fait, mais alors voilà, curieusement, par rapport à l'hydrolien, ce qui est drôle, c'est que on a beaucoup d'innovations à ce niveau-là, alors que ce n'est pas un secteur, en termes de particuliers, j'entends, hein, au niveau des particuliers, ce n'est pas un secteur qui est très en vogue. Vous avez par exemple en bas à gauche, c'est une hydrolienne qui a été faite par les Québécois. Qui marche dans les rivières et dans les ruisseaux, ça vaut 10 000 balles. Et encore 10 000 balles sans la régulation, sans la gestion électronique derrière. Donc c'est juste la génératrice avec les pales. Bon, voilà, c'est vraiment une niche en termes de marché, de fonctionnement, mais voilà, il y a quand même pas mal d'innovations à ce niveau-là, c'était juste pour le souligner. La dernière production d'énergie, c'est le groupe électrogène. Donc, si votre dimensionnement est correct, le groupe électrogène, il est juste là pour subvenir à la charge batterie, à l'alimentation de la maison, les quelques jours gris de l'année en hiver où vraiment, ça fait une semaine qu'il fait un temps pourri et on n'a pas d'autre solution que de faire un coup de groupe. Bon, voilà, c'est 10 à 20 heures par hiver. Hein. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, cet hiver, on a fait 10 heures de groupe. L'hiver dernier, on a fait 3 heures. Voilà, donc 3 heures, vous calculez le carburant, ce n'est pas énorme. Si le dimensionnement est bien fait, vous avez des consommations qui sont en relation avec vos panneaux. Voilà, ça fait un groupe électrogène finalement pour assurer, comme chez nous par exemple, c'est pour assurer la ligne de chaud avec le poêle bouilleur et les pompes, et la ligne de froid avec le congèle et le frigo. Ça évite que le frigo il coupe. Voilà, on a un frigo à congèle. Hein. Et comme ça, ça fait 10 heures de groupe dans l'année et ça peut permettre de sauver les meubles. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas se prendre la tête à avoir un groupe diesel insonorisé, un truc qui fait 10 kilos. Hein. Le but, il n'est pas là. Le but, c'est justement d'avoir un petit groupe électrogène pour le secours seulement. Et nous, on conseille une marque qui s'appelle Pramac parce que c'est une marque super sympa. J'ai encore une fois pas d'action dedans, mais je sais qu'on n'a jamais eu de problème avec cette marque. C'est italien. Pour une fois, ce n'est pas chinois, mais c'est un moteur Honda, donc on est quand même sur le Japon. C'est un moteur Honda qui est increvable et on prend un modèle essence parce qu'il n'y a pas besoin de payer encore une fois le diesel. Et, par contre, si vous avez la fonction AVR, c'est assez utile. AVR, c'est une fonction qui permet d'avoir une tension de 120 volts assez stable. Enfin, ça, c'est une petite régulation électronique à l'intérieur qui permet de sortir un courant un peu plus stable pour alimenter la maison et les batteries à ce moment-là. Ça permettra d'avoir une charge aussi plus intéressante au niveau de la batterie. Voilà. Ça, c'était la partie production. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Alors, il y avait des petites questions d'ordre technique dans le chat. Peut-être qu'on peut faire un rapide tour de parole après. Ouais, Gaël, lève la main. Bah, tiens, Gaël, je te donne la parole du coup. Et après, je poserai poser ta question directement à l'oral. Oui, Gaël. Le son. Pardon, j'avais coupé le son. Alors, la question, elle est liée tout à l'heure. Bon, j'écoutais par rapport au Breyer-Burger pour tout ce qui est allemand. Ouais. Et effectivement, alors déjà une remarque. Est-ce que vous avez entendu parler, parce que je sais que c'est allemand, et quand je faisais mon stage d'éco-construction à Batipol en Limousin, j'étais chez un Allemand qui faisait du photovoltaïque et qui réparait des tas d'erreurs qui avaient été installées chez les gens de manière absolument pour des systèmes qui outrepassaient les capacités des maisons. Donc, il rectifiait tout. Et il me disait qu'il y a en Allemagne, non pas lui, en fait, je lui ai transmis l'information s'il était au courant qu'il y avait en Allemagne une entreprise qui fabrique des billes, c'est-à-dire de photovoltaïque thermique extrêmement efficace sur le même panneau. Il y a une équipe, je ne sais plus leur nom, et on m'a confié ça quand j'étais en Hofing dans les Vosges. Et j'ai fait Ah, vous passer ma parlez foi à cette. Oui, c'est des panneaux hybrides, c'est ça? Hybrides, Voilà, c'est-à-dire et il paraît qu'ils qu'il y font en a d'excellentes photovoltaïque d'un qualités, côté. puis un super rendement. Alors, est-ce que vous avez des noms de ça? Alors, il y a une boîte qui s'appelle DualSun qui fait ce type de panneau.
Donc, c'est-à-dire, en fait, on est bien d'accord, hein, c'est le photovoltaïque au-dessus et c'est le thermique en dessous. Voilà, il y a les deux sur le même panneau, oui, c'est ça. Alors, moi, je vous le déconseille fortement pour l'avoir testé, parce qu'en fait, si vous voulez, le truc, c'est que. Alors, la partie photovoltaïque, elle est ce qu'elle est, mais elle est face au soleil, donc il n'y a pas de souci. Par contre, la partie qui est en dessous, qui est la partie thermique, elle ne chauffera jamais. Elle va juste chauffer avec la chaleur du photovoltaïque, mais elle ne va pas chauffer avec le soleil. Elle n'aura pas l'infrarouge. Hein, je vous rappelle que le capteur thermique, il chauffe avec l'infrarouge. Et comme vous avez le photovoltaïque qui est au-dessus, eh ben, elle ne chauffera pas avec l'infrarouge. Donc, elle va vous donner une chaleur qui est relative pour vous permettre d'avoir une eau qui commence à chauffer dans votre eau chaude sanitaire. Mais en aucun cas, elle vous suffira à chauffer complètement votre eau chaude. Nous, ça, c'est des tests, on l'a fait. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont testé ça aussi. Ça ne suffit pas, on va dire que la partie thermique ne suffit pas à chauffer l'eau chaude sanitaire. D'accord. Et les appareils dont vous parlez, ils sont récents. C'est des expériences faites Ah, récemment. DualSense, ça fait ouais, 6-7 ans que ça existe maintenant, ouais. Alors, il faudrait que je reprenne des contacts pour savoir quelle était la marque. Parce qu'il paraît qu'on. Beaucoup de gens en disent beaucoup de bien. C'est deux frères, c'est deux Oui. frangins, tout ce que je me Alors, c'est toujours rappelle. pareil, c'est que les gens disent du bien, mais est-ce que c'est des gens qui vivent en autonomie? C'est ça le Ah, truc. ça, je ne sais pas. Je ne savais pas, Voilà, si honnêtement. c'est des gens qui vivent en autoconsommation, qui se permettent de faire un petit geste écologique et puis d'avancer un peu, ah oui, ça fait une économie sur l'eau. Ok, bah on fait une économie de 50% sur l'eau, c'est bien. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire une économie de 100%. Oui, non, mais je suis d'accord. Et dans ce cas-là, la solution, elle n'est pas bonne. OK. Alors, deuxième question par rapport aux meilleurs burgers. Vous dites, bon, recyclable 97%. Alors, de quelle manière c'est? Comment ça se passe techniquement? Parce qu'une fois que certaines parties sont pétées ou détruites ou out, comment ça peut se recycler? Bah, alors pour prendre le cas Meyer Burger, par exemple, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas de terres rares dans ces panneaux-là, c'est juste de l'argent. C'est l'argent qui est conducteur. Donc en fait, il y a de l'argent, il y a du silicium, il y a de l'aluminium et du verre. Donc techniquement, c'est assez facile de les séparer. Alors bah, forcément, D'accord. il y a un bilan carbone, hein, mais c'est très, très facile de les séparer et de faire du recyclage. Alors on refait des cadres de panneaux avec. On peut reprendre le silicium, refaire des cellules avec. On peut reprendre le verre, refaire du verre avec, etc., etc. D'accord. C'est beaucoup Ok, plus c'est simple. clair. En fait, c'est dès la fabrication qu'il faut penser au recyclage, hein, même si c'est dans 100 ans, parce que ces panneaux-là vont durer 100-120 ans avant d'être éventuellement démantelés. Mais quand je vous dis que ça dure 120 ans, c'est qu'en fait, nous, en autonomie, on considère qu'un panneau, il est rentable, enfin, il a un rendement intéressant jusqu'à ses 70%. En dessous de 70%, ça ne vaut plus le coup. Donc, le temps qu'il ait ses 30%, ben, il y en a pour 120 ans. Mais après, vous pouvez éventuellement le garder encore, il fonctionnera. C'est juste D'accord. qu'on n'est plus sur les 70% de rendement, c'est tout. Alors, d'accord. Alors, toujours sur le Hein? meilleur burger, les 93% sur 30 ans. Alors, les 7% disparaissent en quoi? Les 7% qui restent, qui sont d'usure, par rapport au rendement, ça part dans quoi, ça, 7%? Ça, c'est le silicium qui se désagrège petit à petit. D'accord. Ok, alors une autre question, c'est indépendant de ça, mais c'est une question qui est importante parce que ça touche la France et l'information du photovoltaïque en France. Et ça venait de la part de cet Allemand avec qui j'étais en stage et qui m'expliquait qu'il existait en Allemagne et dans d'autres pays qui utilisent énormément le solaire passif et autres, des panneaux solaires qui ne sont pas carrés ou rectangulaires, mais de forme ronde, ovale et même incurvée qui s'adaptent aux maisons. Ils sont moins connus, mais il y a une omerta en France et il y a une revue. Ça m'embête de les nommer parce que c'est la maison écologique et je les connais bien, qui voulait parler de ces panneaux solaires il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, qui ont été sommés de fermer leur grande gueule, ils ne pouvaient plus publier en kiosque. Et ils ont joué le jeu. C'est les panneaux souples, c'est ça? Voilà, des panneaux qui s'adaptent dans les maisons qui sont C'est ça. construites en même temps et qui ont plusieurs formes, même Ah incurvées, rond, oui. OK. ovale, tout ça. Et on n'en Oui. entend jamais parler. Bah, après, si vous voulez, le truc, c'est qu'il y a des panneaux aussi aujourd'hui qu'on met dans les vitres. En fait, votre vitre, elle est transparente et vous avez un silicium à l'intérieur qu'on voit légèrement, qu'on voit à peine, qui fait une petite ombre. Le truc, c'est qu'on n'est pas sur des performances de fou. Donc, pour moi, si vous voulez, s'il y a encore des travaux en termes d'innovation, mais ça reste intéressant de voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire c'est comme le panneau souple. Le panneau souple, là, ça fait 2 ans qu'on en entend parler, 2, 3 ans maintenant que ça va en poupe.
c'est cher et on est moins performant. Par contre, c'est super léger, on peut le rouler, on le transporte, on le met dans la voiture. Voilà, donc après, ça peut être intéressant dans les deux cas. Mais il y a plein, plein, plein d'innovations en termes de silicium aujourd'hui, hein, photovoltaïque, c'est impressionnant, hein. Il y a même un D'accord. architecte qui a mis au point, il a mis quatre cellules, donc juste quatre cellules de photovoltaïque, et au-dessus, il a mis une grosse boule en verre qui est remplie d'eau. Et cette eau fait loupe. Donc quand le soleil arrive dessus, eh ben, on a une puissance qui est décuplée sur le photovoltaïque. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, hein. Après. Parce qu'apparemment, les panneaux dont parlait Rudolf, c'est des panneaux solides aussi, hein, mais de forme déjà pensée, mais pas nécessairement solide Oui, aussi, même après, de si toute ça doit façon, être. j'ai envie de dire, le silicium, il se travaille comme on veut, donc on peut faire la forme qu'on veut, hein. On peut faire du carré, du rectangle, du rond, du. J'ai envie de dire qu'après, on a des modèles standards qui permettent de bien s'adapter à tous les toits, et ça, c'est facile. Après, on peut faire aussi son panneau, hein, c'est pas le problème, hein. Parce que le problème, c'est quand on parle de géobiologie ou de problème énergétique, le fait de mettre des panneaux sur les toits, ça veut dire que se prendre des douches électromagnétiques puissantes dans la tronche, c'est comme des ordinateurs montés en rack, et ça, c'est connu. Ce qui veut dire qu'idéalement, c'est de mettre les panneaux solaires dans des murs vers le sol, mais surtout pas sur les toits, pour éviter justement les chocs et les pollutions électromagnétiques. Et c'est pour ça que ces panneaux ont toute leur valeur, et on n'en parle jamais de ça, parce que Ah sur les ouais, c'est toits, ce n'est vrai. pas idéal. Ouais. Alors après, la partie géobio, bon, si on commence, on n'arrête plus. Donc, on ne va pas en parler tout de suite. Mais en gros, si vous voulez, sur un toit, ce n'est pas trop, trop gênant si ça ne tient pas toute la place du toit. Voilà. Mais on en reparlera. On aura peut-être l'occasion d'en reparler Mais après. je vais juste donner la parole à Noémie. Il y avait Ben qui avait une question. Joël, je ne sais pas si c'est gérable avec vous, Emmanuel et Charlotte, par rapport au Bah, reste il reste encore pas mal de de slides slide. à faire passer, ouais. Ok, et ben peut-être qu'on va leur continuer alors. Gardez vos Peut-être questions. qu'on va y répondre après, hein, on va voir, hein, si. Ouais. Merci juste pour les échanges dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui se répondent les uns les autres. C'est complètement l'état d'esprit. C'est complètement l'état d'esprit de ce que vous pouvez trouver aussi sur le forum. Donc voilà, si on n'a pas le temps de tout traiter dans l'heure 30 qu'on s'est donné, encore une fois, ça continue. Ne soyez pas frustrés. Et après, ça Ça donnera continue et puis très vous pouvez intéressant. toujours vous poser nos questions, hein. L'idée, c'est qu'en fait, on soit capable de répondre à vos questions aussi derrière. Ouais. Bon, si c'est des questions qui sont dans l'ordre des choses parce que vous avez un projet et que vous avez envie d'avancer sur le projet, il n'y a pas de souci. Hein, donc, on peut bien sûr répondre à toutes vos questions par la suite, il n'y a pas de problème. Et je partagerai évidemment sous le lien aussi pour vous contacter pour toute Ouais, bien question. sûr. Ouais. En Voilà. tout cas, merci des réponses. Hein. Merci Merci. à vous. Allez, on passe à la suite. Pour votre patience, les autres. On va accélérer un peu alors. Alors, la partie gestion-surveillance. Donc, ensuite, hein, on a vu donc, le photovoltaïque. Maintenant, on va voir la partie gestion. On travaille avec Victron Energy, vous connaissez peut-être. Victron, c'est une boîte qui est hollandaise, qui a maintenant presque 50 ans d'expérience. Moi, j'ai rencontré Victron en 2012, 2013. Et ce qui m'a vraiment plu chez eux, c'est qu'en fait, ben, j'ai travaillé aussi pas mal en marine et sur les bateaux. Et dans les bateaux, ben, on voyait ces petits boîtiers bleus, ces convertisseurs. Et il y en a certains que j'ai vus qui avaient 40 ans. Donc je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'il y a des convertisseurs Victron qui marchent depuis le début et qui sont toujours là. Bon, en termes de durabilité, c'est pas mal. Et puis derrière, ils ont développé un système de surveillance, de contrôle ou de surveillance à distance qui est vachement intéressant, qui vous permet d'avoir plein d'historiques, de savoir ce qui s'est passé sur votre installation, même si vous n'êtes pas là, etc. Alors, ça reste pas obligatoire de se connecter, mais en tout cas, voilà, tout ça c'est possible et c'est vraiment très intéressant aussi de bosser avec ça aujourd'hui. Alors, on va voir les différentes configs avant d'aller plus loin dans la gestion. On va faire un petit point rapide sur les différentes configurations qu'on peut avoir. La première, la plus simple, on est hors réseau. On a notre panneau photovoltaïque qui, avec son chargeur solaire, va charger une batterie. Ensuite, on va convertir cette énergie en 220 volts pour alimenter la maison avec un système de monitoring si on a l'option. Et voilà, on alimente le tableau électrique de la maison. Ça, c'est la base. On va dire que voilà, 90% des installs sont comme ça. On a notre système qui fonctionne. Avec en hiver en plus, le petit groupe électrogène qu'on va activer quand tu auras besoin. J'en ai un sans-croquis, voir si ça n'est pas tout petit, moi, mais c'était limite. Ah, tu peux couper ton micro, Gaël. Voilà. Donc le petit groupe électrogène qui va bien. On a la même chose exactement sur la page d'après avec le réseau en secours.
Donc là, c'est exactement la même config, sauf qu'au lieu d'avoir un groupe électrogène, on Mmh. va activer le réseau. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une installation existante sur votre maison avec un compteur, avec tout ce qui va. Et ben, on va dire qu'aujourd'hui, que vous alimentiez votre maison ou votre système batterie avec un groupe électrogène ou avec le réseau qui vient de temps en temps alimenter les batteries, ce n'est pas déconnant en soi, puisqu'en termes de prix, c'est à peu près la même chose. Vous achetez un groupe avec l'essence, avec l'entretien, l'huile, etc., ou vous ayez un tout petit abonnement de 3 kilos que vous chopez chez Enercoop ou ailleurs, qui va venir suppléer un petit peu l'installation de temps en temps, et ben, ce n'est pas si déconnant que ça. Donc voilà, on peut très bien avoir le réseau qui vient derrière avec une connexion manuelle, c'est-à-dire que le réseau, il n'est pas là, mais quand vous le décidez, tac, vous enclenchez votre réseau. Et quand vous le décidez, vous déclenchez votre réseau. Voilà, ça, c'est les deux options, on va dire, autonomes qui vous permettent d'avoir ou pas le réseau. Alors après, il y a des gens qui ne veulent surtout pas de Linky. Donc dans ce cas-là, bon, on va se mettre sur un groupe électrogène. Puis il y a des gens qui vous disent, bon, bah, ok, tant pis pour le Linky, je préfère avoir ça. Alors il y a des gens que ça sécurise d'avoir cette solution. Alors ensuite, la solution d'autonomie avec le réseau en soutien. Donc là, c'est un peu plus complexe, on a toujours la même base, hein, panneau, convertisseur, etc. Mais on va alimenter un premier tableau en prioritaire. Donc lui, il sera toujours alimenté par le photovoltaïque. Un deuxième tableau qui sera piloté que quand il y aura suffisamment d'énergie, par exemple pour alimenter une voiture électrique. Et une troisième partie qui va rester sur le réseau pour, par exemple, la pompe à chaleur qu'on ne veut alimenter qu'avec le réseau parce que ça ne passera pas sur le photovoltaïque. Mais par contre, on envisage dans un an ou deux de passer sur un poêle à bois. Donc, on laisse la pompe à chaleur sur le réseau pour l'instant. Et quand on sera prêt pour le poêle à bois, hop, on videra toute cette partie rouge là et terminé. Voilà, on récupère notre installation autonome du départ. OK? Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'ESS. Donc, ça, chez Victron, ça s'appelle Energy Storage System. Ça, c'est toujours le même principe à la base, sauf qu'on décide d'avoir qu'un seul tableau électrique et on alimente tout avec ce tableau électrique, aussi bien la voiture électrique que la pompe à chaleur. Vas-y, Charlotte, actionne le truc. Et là, on a toujours le réseau qui va venir. Donc en fait, là, non, tu es allé un peu trop loin. Reviens en arrière. Voilà. Là, en fait, on a toujours le photovoltaïque en prioritaire. On a la batterie qui vient en deuxième et on a le réseau qui va venir en troisième solution, en mix. Hein, c'est un mix sur trois sources d'énergie pour alimenter toute la maison. Ce système-là, nous, on ne le conseille plus aujourd'hui, on en a fait beaucoup à une époque. On ne le conseille plus parce que le problème, c'est que les gens, bah, ils ne font pas gaffe. C'est-à-dire, bah, ils allument la lumière sans faire attention si c'est le solaire ou si c'est le réseau. À la limite, voilà. Alors, on le sait parce qu'on a l'écran, hein, mais on n'est pas toujours sur l'écran. Et du coup, bah, on a des gens qui, finalement, n'évoluent pas dans leur comportement autonome. Et du coup, bah, le jour où il y a une panne de courant, bah, ça passe débrouiller tout seul. Et alors qu'ils ont un système autonome. Vous voyez le truc? Donc, du coup, voilà, ce système-là, on le fait de moins en moins aujourd'hui. Et puis, on a un dernier système qui a été évoqué deux, trois fois dans les questions aussi, qui est un système, ben, voilà, le système classique d'autoconsommation. Vous avez un panneau, vous avez un onduleur, ça envoie dans la maison, et si ça n'envoie pas dans la maison, ça réinjecte sur le réseau. Alors, ça, il y a un gros problème avec ce système-là, c'est que vous avez une coupure de courant. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y Charlotte, actionne le truc. Vous n'avez plus de courant, ben vous n'avez plus de courant dans la maison non plus, même si vous avez des panneaux. Hein, et ça, c'est super important de savoir, c'est que tous les systèmes de revente aujourd'hui, vous croyez que vous avez une sécurité électrique, vous ne l'avez pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a plus de production avec le photovoltaïque. Hein, c'est ce qu'on appelle la norme VDE 126. L'onduleur, il va couper automatiquement parce que l'onduleur, c'est on-off. C'est soit je produis à fond, soit je ne produis pas. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, pour ne pas produire de l'énergie dont ils ne sauraient pas quoi faire, eh ben on est obligé de couper tout le réseau. Donc, du coup, ben voilà, vous avez un système finalement qui ne sert à rien hors connexion réseau. Donc, si on remet en route le réseau, tu continues, Charlotte, il est possible sur ces systèmes-là d'ajouter un convertisseur Victron qu'on va voir là avec son écran et avec sa batterie pour ben, avoir un semblant d'autonomie. Mais ce système-là, moi, je le juge vraiment pas fiable du tout. Encore aujourd'hui, on a fait des expériences. Le truc, c'est qu'on a un système, alors en deux mots, c'est qu'on va être obligé de jouer soit sur la communication interne entre deux marques différentes
Et ben voilà, entre Victron et Fronius ou entre Victron et Ceva, ça fonctionne, mais s'il y a un problème de com, ben voilà, il y a de l'énergie qui part et on ne sait pas quoi en faire. Et sinon, ben on va travailler avec la variation de fréquence. La variation de fréquence, c'est, ben, on est en 50 Hz, hein, en France. Le 50 Hz, on va augmenter cette fréquence-là à 52, 53, 54 Hz pour dire à l'onduleur, attention, arrête-toi de produire parce que moi, je ne sais pas quoi faire de ton énergie. Le problème, c'est que ce temps de latence, il est très long. Et puis quand vous passez à 53 ou 54 Hz sur une maison, vous allez griller vos ampoules, vous allez griller vos appareils électroniques, etc. Parce que ce n'est pas fait pour 53, c'est fait pour 50. Ça peut de temps en temps passer à 53, mais sur des pics. Là, si le temps que les onduleurs réagissent, on est sur des périodes de 5-10 minutes des fois. Donc du coup, 5-10 minutes tous les jours en été, c'est un peu compliqué. Voilà, donc nous, ce système-là, on ne le conseille pas du tout. Maintenant, on pourrait très bien envisager, à la place de l'onduleur, on met ce qu'on appelle un chargeur solaire. Et là, du coup, on retrouve une installation vraiment autonome, stable et pérenne. Hein, plutôt que, voilà, plutôt que d'adapter des choses qui ne s'adaptent pas. Voilà, en deux mots, donc, on va parler vite fait des appareils Victron. Donc ça, c'est les types de chargeurs. Donc vous avez ce qu'on appelle le chargeur MPPT. Donc au-dessus, c'est les nouveaux modèles, en dessous, c'est les anciens. Ensuite, vous avez la partie convertisseur. Donc ça, c'est ce qui convertit en 220 volts l'énergie dans l'habitation. Et vous avez enfin la partie écran avec ce qu'on appelle le monitoring et le contrôle à distance. Donc quand on dit contrôle à distance, ça veut dire que ben, si vous avez une connexion Internet et que vous êtes connecté, on peut avoir accès, nous, à distance à votre installation pour vérifier que tout est OK, si vous avez eu un problème ou autre. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ça a sauté. Voilà, ça nous permet d'avoir des historiques pour regarder tout ça, pour les problèmes de SAV aussi, etc. Et si vous n'avez pas envie d'être connecté constamment sur Internet, vous débranchez la prise ou vous arrêtez le Wi-Fi et vous n'avez plus de connexion et nous, on ne peut plus rentrer sur votre installation. Ah, donc ça reste sécurisé quand même. Mais voilà. Bon, pour vous donner vite fait un petit aperçu de ce qui se passe, vas-y, avance sur les slides. Voilà, ça peut être ce type de graphique qui vous permet de savoir ce que vous avez produit, consommé, mis dans les batteries, pris sur le réseau, pris sur le groupe électrogène. Alors, on va passer rapidement pour ne pas perdre de temps avec ça. Et puis, bah, des graphiques un peu plus complets sur l'historique. Donc, ça, c'est des historiques de puissance et de tension. Voilà, on passe la souris dessus, et on sait exactement à tel moment ce qui s'est passé. Alors, c'est toutes les minutes, hein, c'est pas. Voilà. Et on n'est pas aussi invasif qu'EDF dans le sens où nous, on ne sait pas ce qui s'est passé chez vous. On sait qu'il y a eu un pic, mais voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, des petits exemples d'installation. Donc ça, c'est bah, par exemple un 2 kg, un 5 kg. Donc quand on dit 2 kg, 5 kg, c'est la puissance en volts-ampères. Hein, donc c'est-à-dire qu'il faut traduire ça après en watts pour avoir une corrélation. Ça, c'est des systèmes triphasés, parce qu'on sait faire aussi le triphasé. Chez Victron, donc c'est juste qu'il y a trois convertisseurs, puisqu'il y en a un par phase, avec les systèmes de sécurité mis aux normes. Voilà, on va passer tout ça. Et le système Nomad, qui est un système mobile, où à l'intérieur, on a un 1200 VA, donc à peu près 1000 watts disponibles constants. Avec ces deux panneaux, vous trimballez ça partout dans votre camion, en feu de camp, sur les marchés. Voilà. Voilà un petit peu les différentes applications qu'on a chez Victron. Donc, ensuite, bah, je crois que ça, c'est le moment des questions. Ouais, c'est ça. Alors, il y a quelques questions là-dessus? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce point spécifique? Voilà, on arrive à 19h10. Non, est-ce que vous voulez Si, Théo, est-ce que moi, avancer et on Il y avait prendra juste un des gars qui questions? nous a dit, une personne qui nous avait dit, est-ce que pourquoi se prendre la tête à mettre un convertisseur alors qu'on pourrait passer directement alimenté depuis la batterie? Bon, moi je vais répondre vite fait à ce moment-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend le courant dans la batterie, l'énergie dans la batterie, on est en courant continu. Et le courant continu se transporte très mal. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bateau ou dans un camping-car, allez, on a 10 mètres de câble maximum. Donc là, sur un câble de 6 carrés, donc 6 carrés, c'est quand même assez gros déjà, on va pouvoir allumer une ampoule de l'autre côté en 12 volts. Maintenant, quand vous êtes dans une maison et que vous pouvez avoir potentiellement des 25-30 mètres de câble, eh ben, le 6 carrés ne va pas suffire. Donc il va falloir que vous mettiez du câble plus gros.
Donc, genre 10 carrés, voire 16 carrés, pour que vous puissiez avoir l'alimentation jusqu'au bout. Donc, si vous voulez, c'est à la fois, oui, alors vous allez économiser un convertisseur, parce que du coup, on est directement de la batterie à l'appareil. Mais bah vous allez par contre consommer pas mal de câbles. Et dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas plus intéressant que d'avoir un convertisseur. D'autant que tous les appareils qui sont en courant continu, 12 volts, 24 volts, bah ils sont assez chers généralement. Et puis, pas forcément facilement réparables. Alors que bon, là, vous allez chez Darty, vous achetez n'importe quel frigo, n'importe quelle machine à laver en 200 watts, elle fonctionnera, quoi. Voilà. Donc après, c'est un choix, encore une fois. C'est ma vérité, hein. Après chacun il voit ce qu'il veut. Mais pour moi, si vous voulez, en termes à la fois d'impact écologique et de puissance et de performance, il vaut mieux avoir un convertisseur. Si le convertisseur, bah, comme ceux que j'ai vus, il dure 40 ans, bon ben bah, voilà, c'est pas déconnant, quoi. Sur 40 ans, on n'est pas trop mal. Si maintenant on est comme la plupart des onduleurs, justement qu'on a vu tout à l'heure en réinjection réseau, un onduleur, c'est 10 ans maximum. On a même vu des onduleurs qui, au bout de 10 ans pile, ils s'arrêtaient, quoi. C'est presque obsolescence programmée. Bah, chez Victron, on n'en est pas là encore, donc c'est correct. Ouais, bon, on continue alors. Ouais. Allez, est parti. Et on prendra ensuite, j'ai une série de personnes qui avaient levé la main et qui avaient Ah, pardon. demandé la parole, du coup je leur donnerai la parole à la fin, comme ça on peut Ah, aller. ok. Bon, ouais, bah écoute, après, à la fin, on fera ce qu'il faut pour essayer de répondre à tout le monde. Merci Emmanuel. Alors, on va parler un petit peu de notion de dimensionnement et de cycle. Alors, ça, c'est au niveau de la batterie, parce que finalement, dans une installation photovoltaïque, c'est la batterie qui est le point faible, on va dire, entre guillemets. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne la batterie pour pouvoir la charger correctement et faire qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc, il faut comprendre qu'il y a déjà une notion de cycle. Donc, le cycle, c'est par exemple si on prend une décharge de la batterie à hauteur de 40% sur une batterie bloc, eh bien, on va voir qu'à 40%, si on suit la ligne bleue du bloc, on va être à peu près à 3500 cycles. Donc, un cycle, c'est une charge et une décharge. Hein, c'est-à-dire que vous arrivez le matin, votre batterie, elle n'est pas tout à fait chargée parce que vous l'avez consommée un petit peu la nuit. Vous allez la recharger dans la journée et vous allez la décharger le soir. Donc, ça fait un cycle. Si maintenant, au cours de la journée, vous avez chargé votre batterie à 10 heures, la batterie elle est pleine. Ensuite, vous avez une période un petit peu grise de nuages et de choses comme ça. Vous avez lancé votre machine à laver. Votre batterie va du coup être sollicitée pour alimenter parce qu'il n'y a pas assez de soleil au niveau du photovoltaïque. Et du coup, votre batterie, donc, elle va rebaisser et vous allez la recharger une fois que les nuages seront passés. Donc là, vous allez avoir deux cycles dans la journée. Et ces deux cycles, eh ben, il faut en tenir compte parce que quelque part, ça a une usure, ça use la batterie un peu prématurément. Vous voyez ce petit schéma, voilà, entre le vert et le rouge. Plus on va taper dans une batterie, en gros, et plus elle va s'user vite. Hein, donc l'idée, c'est encore une fois de faire un bon dimensionnement. Donc ça, c'est la notion de cycle. Et puis après, vous avez la notion de charge. Alors on va passer rapidement aussi là-dessus. On a trois phases de charge essentielles qui sont la phase bulk en bleu, la phase orange absorption et la phase floating. En gros, je vais vous prendre l'exemple d'une montgolfière. Quand elle est au sol, quand vous êtes en train de la gonfler avec de l'air froid, là, vous soufflez de l'air froid à l'intérieur, c'est la phase bulk. Là, on va essayer de commencer à la faire gonfler. Voilà, ça, c'est la phase bulk. On envoie tout ce qu'on peut en air et ça gonfle. Ensuite, quand elle va commencer à être gonflée, on va passer en phase d'absorption. Là, on va envoyer de l'air chaud à l'intérieur et on va commencer à mettre l'air sous pression. Et c'est à ce moment-là que tout se fait en termes de charge. On va dire que la montgolfière, là, elle commence à se mettre sous pression, sous pression, sous pression. Et ce n'est plus la même façon de charger que la phase bulk. Là, on n'envoie pas tout n'importe quoi. Vous voyez que la courbe bleue, elle est complètement beaucoup plus faible qu'avant. Donc, on va charger avec minutie la batterie pour la mettre sous pression jusqu'au moment où eh ben, elle sera pleine. Et la montgolfière, quand elle est prête à s'envoler, on est en floating. Voilà, et floating, ben la montgolfière s'envole. OK, voilà, succinctement expliquer les trois phases. Si on comprend ces trois phases de charge et qu'on sait qu'une batterie, une fois qu'elle est chargée, elle est en floating, plus elle va faire de floating souvent dans l'année et plus elle va durer longtemps. C'est simple. Voilà, donc une batterie qui est en phase bulk et absorption toute l'année, c'est pas bon pour elle. Une batterie qui est en phase de floating, c'est très bon pour elle. Sauf les batteries lithium. Tout ce qui est batterie plomb et autres, il n'y a pas de souci.
OK, donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu cette notion. On pourra l'évoquer encore tout à l'heure si vous avez des questions, hein, mais voilà. Et donc, à dimensionnement batterie, bah, quand on a cette notion de cycle de batterie et cette notion de différentes étapes de charge, quand on a un dimensionnement à faire entre notre panneau et notre batterie, il va falloir comprendre que la batterie, eh ben, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit chargée tous les jours, quoi qu'il arrive. Il faut que ma batterie soit pleine tous les jours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais augmenter mon parc batterie, mon parc panneau, pardon, et je vais diminuer mon parc batterie. Ce qu'on veut, chez nous, en tout cas, chez Off, c'est que votre batterie, elle vous aide à passer la nuit. Si le soir, quand vous vous couchez, elle est pleine, et vous allez passer la nuit sans problème, et le lendemain, elle va se recharger sans problème, même s'il ne fait pas très beau, puisqu'elle est petite. Et comme elle est petite, elle va être en floating, et comme elle est en floating, elle va durer longtemps. C'est aussi simple que ça. Après, la nuit, on ne fait pas la machine à laver, on ne fait pas le sèche-cheveux, on ne fait pas l'aspirateur. Hein, la nuit, c'est un coup de télé, un coup d'ordi, les ampoules, alors un coup d'aspirateur si besoin, parce que le chien, il a renversé les miettes par terre. Bon, ok, 5 minutes, ce n'est pas grave. Mais on ne fait pas son ménage à 22 heures. Voilà, on ne fait pas 1 heure d'aspirateur le soir. Mais si on a bien dimensionné votre installation, vous allez vous retrouver le matin avec une batterie qui a allé entre 80 et 90%, et à 11 h, elle est pleine, même en hiver. Alors, vous voyez le truc? Donc voilà, ça c'est la petite clé qu'on vous donne parce que ben voilà, on aime bien quand même partager des choses qui ont du sens. Et on va terminer avec le stockage batterie. Il nous reste 10 minutes, c'est bien. Alors chez nous, voilà, on a en gros trois technologies de batterie. Le lithium dont on en parle, dont on parle tout le temps en ce moment. La batterie plomb qui est un petit peu oubliée de plus en plus. Et puis la batterie nickel-fer qui est l'outsider et puis qui revient petit à petit sur le marché. La batterie, on va commencer par la batterie plomb parce que chez nous, on ne va pas utiliser le lithium et je vais vous expliquer après pourquoi. La batterie plomb, c'est une batterie qui, voilà, il y a différents modèles de batteries. Hein. Ce qui est important à savoir, c'est, vas-y, avance un petit peu sur le. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une batterie plomb, ça va durer entre 10 et 15 ans à peu près. Il n'y a pas d'entretien. Il y a une bonne résistance aux températures entre, allez, on va dire, moins 10 et plus 50, il n'y a pas trop de problème. Elle va s'user un peu plus vite, mais voilà, l'idéal, c'est du 20-25 degrés hein, pour une batterie. Et puis, c'est que du plomb et de l'acide, donc du coup, c'est recyclable. Et donc, on va dire que c'est voilà, c'est un moindre mal, on va dire, c'est un compromis qui est plus intéressant pour moi que le lithium, parce que le lithium, ben, on n'a pas ce côté recyclable, et même si on a des bonnes résistances aussi, on n'a pas ce côté recyclable. Voilà, donc on va vous montrer quelques exemples d'illustration de systèmes avec du plomb. Donc ça, c'est des batteries 12 volts ou des batteries 6 volts. Donc généralement, c'est des petits systèmes, hein, c'est des petits chalets de vacances, c'est des gîtes, c'est des choses comme ça. On ne va pas aller très loin en termes de capacité, donc on fait des petites installs avec ça. Et puis on a des installations beaucoup plus grosses avec des batteries de 2 volts qui là sont des batteries qui vont durer un peu plus longtemps. Enfin, en fait, on va dire que sur une batterie, plus la tension est petite, plus la batterie va durer longtemps. Une batterie de 12 volts, elle fera généralement, allez, si vous l'avez bien entretenue, elle va faire ses 8-10 ans. Alors que ces batteries-là, ce qu'on appelle la technologie OPZV, c'est des batteries qui vont durer entre 10 et 15 ans, sans problème. Parce que c'est du 2 volts et que du coup, bah, plus on fait passer de courant à l'intérieur, mieux c'est. Et on va parler maintenant de notre ami Thomas Edison qui a sorti dans les années 1901 une batterie qui s'appelle la batterie nickel-fer. Donc, comme son nom l'indique, c'est une batterie qui est faite de nickel et de fer. Et ben, c'est une technologie qui revient au goût du jour parce que ben, on s'est rendu compte que on a découvert, ben, vous voyez, ces batteries-là qui sont écrites Edison, qui ont été fabriquées par Exide, qui était la société américaine de Thomas Edison. C'est des batteries qu'on a retrouvées dans les années 70 et qu'on a remis en route et qui sont reparties depuis 1901. Voilà, donc c'est une technologie qui est super simple. Et la grosse différence, eh bien, elle est là. C'est qu'en fait, c'est une batterie qui va durer une centaine d'années sans problème. Par contre, il y a un petit entretien. C'est-à-dire que c'est comme les batteries de l'époque, vous savez, il faut rajouter un petit peu d'eau de temps en temps. C'est une batterie qui a
qui est non inflammable, non toxique, qui résiste à toutes les conditions. Vous pouvez la mettre à moins 40 degrés, à plus 60, elle n'en a rien à faire. Elle est complètement recyclable au bout de ses 100 ans, si tant de fois il y a besoin de la recycler. Alors, je vous dis 100 ans parce qu'on a 100 ans de recul dessus. Hein. 1901, 1900, voilà, 2024, ça nous fait 100-120 ans de recul. Les batteries qui ont été retrouvées fonctionnent toujours. Hein. Voilà, donc, elles ont perdu un petit peu parce qu'elles n'ont pas été chargées pendant une cinquantaine d'années, mais ça fonctionne toujours. Et la grosse différence avec toutes les autres batteries, elle est là, c'est qu'en fait, c'est une batterie qui est composée de nickel et de l'autre côté, qui est composée de fer avec du potassium. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une batterie, c'est une réaction, hein, c'est une réaction chimique entre une partie solide et une partie liquide. Quand vous êtes sur une batterie plomb, vous avez toute l'énergie qui va se déposer sur le plomb et qui va petit à petit oxyder le plomb. Il va s'altérer et quand il n'y aura plus assez de plomb, plus assez de densité dans la batterie, on sera obligé de jeter la batterie et de la recycler. La batterie nickel-fer, c'est complètement autre chose, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand la batterie, quand il y a eu cet électrolyte entre le métal et le liquide, c'est le liquide qui s'altère. Donc on enlève le liquide, on le change et c'est reparti. Et l'électrolyte, donc ce liquide, c'est de l'eau déminéralisée avec de la potasse. Donc c'est un milieu alcalin, donc il n'y a pas d'acide, ce n'est pas dangereux pour la planète ni rien du tout. Et tous les 10-15 ans, vous changez votre solution et c'est reparti pour 10-15 ans. Voilà. Et au moins pour 100 ans, parce que ben, on a ce recul de 100 ans. Donc c'est une batterie qui aujourd'hui était fabriquée jusqu'à il y a quelques années par les Américains et par les Chinois. Les Américains ont arrêté parce qu'ils n'ont plus de nickel. Ben, apparemment, tout le nickel est en Russie, donc les Chinois sont plus proches des Russes quand même. Et du coup, ben, voilà, c'est eux qui ont gardé le marché. Il y a trois usines qui fabriquent en Chine. Il n'y a que trois usines pour le monde entier. Il y a beaucoup de demandes en Afrique parce qu'il fait très chaud, beaucoup de demandes dans les pays d'Amérique du Sud parce que c'est très humide et la batterie, là, elle résiste absolument à tout. Et j'ai envie de dire, même si elle ne résiste pas à tout et qu'elle va durer 8 ans au lieu de 10, ben, ce n'est pas grave, vous changez la solution, puis c'est reparti. Changer la solution d'eau déminéralisée, ça coûte à peu près 450 euros. Voilà, puis vous êtes reparti pour 10 ans. Voilà, c'est une technologie un peu différente, donc on va voir quelques illustrations. Alors, l'inconvénient de ces batteries, parce qu'il y en a quand même, hein, c'est que vous allez voir un peu les photos, c'est que c'est un peu plus gros, ça prend plus de place. Tu nous passes la suivante, Charlotte? Merci. Alors, sur celle-là, on ne voit pas très bien, mais sur la suivante, on verra mieux. Voilà, si vous voulez, par rapport à un parc plomb, là, on est deux fois plus gros que du plomb et on est quatre fois plus gros que du lithium en termes de volume. Par contre, on a la même capacité, le même effet. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de stockage et puis mettre ces batteries voyez, avec ce petit escalier pour pouvoir vérifier le niveau de chaque batterie et pouvoir remettre un peu d'eau déminéralisée de temps en temps. Voilà un peu le topo de ces batteries. Est-ce qu'on a encore une photo? Je crois qu'on a, oui, encore une slide. Il y a quelqu'un qui demande une idée du poids de l'ensemble, je pense, d'un Ça fait une tonne. parc NIF. Ouais, ça fait une tonne. Voilà. Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est 1901, quoi. Voilà. Donc, c'est pas. Oui, on n'est pas sur une technologie lithium. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, c'est encore une fois, comme vous avez compris, nous, ce qui nous intéresse, c'est la planète. Là, je n'abîme pas la planète, là. J'ai pris du nickel une fois, terminé, quoi. Hein, c'est un peu ça la démarche. Donc oui, effectivement, c'est un peu plus lourd, mais dans une maison, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. Dans une maison, une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Vous avez un local qui est prévu pour ça et ça fonctionne. Oui. Y a Ben aussi qui dit 450 euros la solution. T'as un détail Oui, 450 euros, c'est en fait c'est la potasse avec l'eau déminéralisée pour l'ensemble des batteries. C'est-à-dire que quand vous changez votre solution, vous enlevez toute l'eau déminéralisée qu'il y avait pendant ces 10 ou 15 dernières années. Quand vous rechargez, vous rachetez de l'eau déminéralisée, de la potasse, et ça coûte à peu près 450 euros aujourd'hui pour recharger des batteries de. Ça, c'est déjà fait le calcul sur la 450 ampères-heure. 400 ampères-heure, pardon. Alors, c'est un calcul que j'ai fait, je n'ai encore pas expérimenté personnellement parce que nous, ça fait qu'un an qu'on a appliqué cette technologie. Ça fait longtemps que je la suis, mais c'était un peu cher avant et là, ça a baissé un petit peu en tarif, donc c'est plus intéressant. Bon, voilà, donc il y a de plus en plus de gens, en tout cas, qui sont sensibles à ça et qui se disent, bah ouais, tant qu'à poser des batteries, voilà, quand on nous dit qu'aujourd'hui, la batterie, c'est le point faible et c'est le point noir, ben non, regardez, voilà.
Ça, il n'y a pas de problème. C'est dur, c'est costaud, c'est robuste, ça résiste à tout. Voilà, alors un petit comparatif stockage maintenant pour parler un peu du lithium quand même. Voilà, donc si vous voulez, chez nous, le lithium, c'est pas qu'on n'aime pas parce que quand vous avez vu le Nomad tout à l'heure, notre petit système mobile, il y a une batterie lithium dedans. C'est une batterie, ce qu'on appelle donc LFPO. C'est une batterie donc avec du fer et du phosphate. Donc c'est la dernière technologie du lithium qui, je reconnais, une technologie qui n'est pas trop mal foutue quand même et qui est beaucoup plus sécure, on va dire, que les anciennes technologies. Mais eh ben, quand il fait moins 5, quand il fait, non, c'est en dessous de 5 degrés ou qu'il fait plus de 40 degrés, la batterie s'arrête. Donc ça veut dire que bah, vous ne pouvez pas utiliser votre batterie quand vous le souhaitez. Alors bon, il y a quand même. On est d'accord, en France, on est en région tempérée et ça fonctionne quand même l'essentiel du temps. Mais voilà, vous voulez sortir, couper du bois avec votre tronçonneuse électrique, ben, s'il fait en dessous de 5 degrés, ça ne marchera pas. Ou alors, il faut l'allumer dans la maison, il faut partir avec. Enfin, voilà, c'est un peu contraignant. Voilà, la grosse difficulté pour moi du lithium, c'est qu'aujourd'hui, ben, on exploite toujours. Mais non, tu peux rester encore dessus, s'il te plaît. Ouais. On exploite toujours et c'est toujours pas recyclable. Alors, on va dire que c'est recyclable, mais ce n'est pas recyclé parce que ça coûte plus cher que d'extraire, d'une part. D'autre part, alors il n'y a que au niveau des voitures électriques aujourd'hui que apparemment l'Europe a obligé les constructeurs à recycler 50% des batteries voitures. Mais si vous faites le calcul, ça fait encore 50% puisqu'on en fait ces batteries-là. C'est toujours pareil, c'est que ça va finir au fond de l'océan ou dans un trou au Congo, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des batteries, on ne sait pas quoi en faire. Hein, le problème, c'est que ce n'est pas recyclable. Et puis, dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que jusqu'à présent, toutes les autres technologies de lithium, à part le fer phosphate qui est quand même un petit peu mieux, les autres technologies, ça explose. Ça explose même pas mal. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça qui ne sont pas recensés parce que forcément, bah, faut pas trop en parler. Mais le fer phosphate, c'est la première technologie lithium qui a quand même beaucoup plus de sécurité en termes de résistance à tout ce qui est un peu charge particulière. Parce qu'en fait, ce qui fait que ça explose, c'est parce qu'à un moment, il y a une surchauffe dans le système et que le BMS, qui est le système de gestion de la charge, bah, il déconne et puis voilà, ça saute, hein. Et on a eu un seul cas de batterie, enfin reconnu en tout cas, qui est en Angleterre, où des batteries fer phosphate ont explosé chez un particulier. Voilà. Et d'ailleurs, normalement, si votre assurance est honnête, si vous dites que vous installez des batteries lithium chez vous, vous avez une surprime d'assurance qui va avoir lieu parce que le lithium, ça reste dangereux. Voilà. Alors que le plomb et le nickel-fer, sans problème. Voilà. Et en plus, c'est recyclable. Donc, encore une fois, si on a une démarche, si on veut essayer d'aboutir à la démarche, eh ben, ce n'est pas déconnant de partir sur du plomb, du nickel-fer. Voilà. OK, donc ça, c'est des extraits du site. Hein. Donc, si vous voulez aller jeter un œil sur le site après, il n'y a pas de souci, vous verrez tout ça plus en détail. Batterie plomb, non, il n'y a pas d'explosion en batterie plomb, c'est de l'implosion. Donc, c'est-à-dire qu'au pire, elle peut imploser, c'est-à-dire elle va exploser de l'intérieur, mais en aucun cas, ça va mettre le feu à l'extérieur. C'est la différence. Voilà. Par contre, il y a un dégagement de gaz, non? Alors, sur la nickel-fer, oui, il y a un dégagement d'hydrogène. Et pas plomb? Non, il n'y a pas de... Non, sur le plomb, alors, il peut y avoir, si vous prenez une batterie, ce qu'on appelle la batterie OPZS, c'est une batterie, donc pareil, hein, dans laquelle on remet de l'acide. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on appelle le plomb ouvert. Donc celle-là, elle a un dégagement d'hydrogène. Et celle-là, nous, on ne s'en sert pas parce qu'elle n'est pas jugée intéressante pour nous. Par contre, la nickel-fer, elle a un dégagement d'hydrogène aussi qui est de l'ordre de 1% sur une journée. Et il faut. Alors, l'hydrogène est explosif, hein, on est d'accord. Par contre, si vous avez un local qui est aéré, suffisamment ventilé, que ce soit une cave, que ce soit un garage ou autre, il n'y a aucun problème. L'hydrogène, il ne restera pas. Il faut 4% d'hydrogène concentré pour que ça explose. Ouais, et c'est pour arriver à ça, on a fait des calculs, on a un pote ingénieur qui nous a fait des calculs, il a dit faut s'accrocher, quoi. Pour y arriver aux 4% concentrés au même endroit, c'est ouais, si vous avez à peine de ventilation, c'est bon. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Alors que la batterie lithium, on ne sait pas quand elle va exploser. Le problème, il est là. Voilà, et puis bah, je me suis amusé quand même à faire un petit. Alors, j'aime pas du tout faire des histoires de rentabilité et de coûts, parce que pour moi, si vous voulez, l'autonomie, ce n'est pas une histoire d'argent. Avant tout, c'est comme quand vous faites votre jardin et vous allez acheter des tomates au Super U, ce n'est pas la même chose.
L'estomac du supérieur sera moins cher, il n'y a pas de problème. Par contre, celles de votre jardin, elles auront du goût, elles auront quelque chose en plus. Et l'autonomie énergétique, c'est la même chose, c'est vous qui produisez votre énergie. Donc, oui, on va être un peu plus cher, forcément, on est plus cher, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui, avec les tarifs d'EDF, y a encore, allez, il y a encore 4-5 ans, j'avais fait le calcul, on était sur une rentabilité de l'ordre de 7 à 10 ans par rapport au coût EDF. Maintenant que EDF a augmenté, bah, je pense qu'on est sur 5 ans avant de rentabiliser une installation. Hein, donc voilà, donc je vous ai fait un petit comparatif NIF, plomb, lithium. Voilà, bah, en gros, on est sur 32 centimes du kilowatt pour le nickel-fer, 21 centimes pour le plomb et 10 centimes pour le lithium. Alors effectivement, on est moins cher parce qu'on a des capacités plus intéressantes en lithium. Mais bah, le truc, c'est que je vous ai mis des points d'interrogation parce que aujourd'hui, par exemple, on utilise les batteries lithium depuis à peu près 5 ans en France. J'ai un collègue qui a des installations qui tournent depuis 5 ans. Il a fait des tests. La batterie est donnée pour 15 ans. Et vous savez, on fait des tests de charge-décharge. Hein. C'est-à-dire qu'on remplit la batterie plomb, on lui met une consommation derrière, et puis on va voir combien de temps. Elle va pouvoir alimenter cette consommation. Et là, on fait des calculs et on voit. Et en fait, la capacité de la batterie lithium avait perdu 50%. C'est-à-dire que la batterie lithium, dans 3 ans, elle est morte. Donc, elle a fait 5 ans, il lui reste 3 ans à faire. Donc, elle fait 8 ans alors qu'elle annonçait pour 15. Vous voyez, donc, le recul, pour moi, je ne l'ai pas. Donc, le plomb, je l'ai. Ça fait 50 ans qu'on fait du plomb. Le nickel-fer, ça fait 100 ans. Donc, le recul, je l'ai, je peux vous dire, ça va fonctionner. Maintenant, lithium, je ne sais pas. Hein? Et ça veut dire que dans 8 ans ou 10 ans, bah, on va mettre la batterie à la poubelle alors que les autres sont recyclables. Du coup, si c'est recyclable, ça veut dire que dans le coût, bah, par exemple, le plomb, la partie verte, bah, le plomb, on va racheter des batteries plomb, donc on est encore à 21 centimes. Par contre, le nickel-fer, on va juste avoir 450 euros pour le recyclage et on passe de 32 à 17 centimes. Voilà, donc finalement, bah, on devient plus intéressant au bout de 18 ans. Alors c'est clair que si on fait l'investissement à 75 ans, bon, c'est moins intéressant pour nous, mais ça peut être aussi pour nos enfants, hein, c'est pas perdu. Et puis voilà. Et pour finir, alors la petite anecdote que j'ai trouvée il y a quelques jours quand je cherchais des infos pour ça, ben voilà, c'est que vous prenez des batteries LiFePO, donc fer phosphate en lithium, vous prenez un taux de décharge de 50%. Hein, ce qu'on appelle le DOD, vous voyez, c'est ce que je vous ai matérialisé en rouge, là, en pointillé rouge. Ben, il y en a un qui annonce 5 000 et l'autre qui annonce 11 000 cycles. Donc ça veut dire qu'il y en a une qui va durer ben, potentiellement 10 ans, puis l'autre qui peut durer beaucoup plus, quoi. Alors, je ne sais pas trop. Pourtant, la technologie de l'HPO, si vous voulez, c'est comme les technologies au PZV en plomb ou nickel-fer. On est, même si les marques ne sont pas tout à fait les mêmes, on est sur des cycles qui sont à peu près équivalents. Je veux dire, voilà, vous passez d'une boîte de plomb à une autre boîte qui fabrique des batteries plomb. Il y en a un qui va annoncer 5 000 cycles, l'autre qui va annoncer 5 500 cycles. Là, sur le lithium, curieusement, voilà, on ne sait pas trop. Voilà, c'est entre 5 000 et 11 000. Bon, bah, écoutez, voilà, on fait avec ça. Donc, si vous voulez, pour moi, tant que cette technologie n'est pas un peu plus fiable et qu'on la recycle, pas, pour moi, elle a pas lieu d'être, à part encore une fois dans votre téléphone portable et dans votre batterie d'ordinateur ou dans les choses mobiles. Oui, ok, ça, à la limite, ça peut avoir du sens. Mais dans une maison, pourquoi mettre une batterie lithium dans une maison? Il y a aucun. Voilà. Moi, quand je regarde une batterie de téléphone portable ou d'ordinateur, au bout de 3 ans, elle est morte. Donc, ouais, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est mon avis, encore une fois. Voilà. Voilà, on a à peu près fait le tour. Il est 19h36, on est bon. Merci beaucoup, Emmanuel. On a tenu le cap. Donc, bah, écoutez, voilà, si vous avez quelques questions, ça sera avec plaisir. Ouais, t'as encore quelques minutes là, du coup, pour prendre les Voilà, questions. donc encore une fois, si vous avez, voilà, si on ne répond pas à votre question, n'ayez pas, c'est pas grave. Soit vous nous écrivez, soit vous allez sur le site, vous trouverez peut-être des réponses sur le site. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on est là pour répondre. Ce qui est important pour nous, si vous voulez, c'est de redonner à l'autonomie énergétique une image qui est vraiment noble. Ça a été galvaudé dans tous les sens, voilà, ça a été pris, on s'est foutu de nous donc, pendant des années. Aujourd'hui, bah, les gens, ils viennent, ils sont curieux et ils regardent. Et le but, c'est de montrer que cette technologie, en tout cas les idées qu'on a mises en place, elles fonctionnent. Et que voilà, le but, c'est de donner une belle image de l'autonomie et de
montrer et de prouver que ça fonctionne. Et qu'on peut vivre tout à fait normalement. Moi, je ne suis pas rasé aujourd'hui, mais je pourrais me raser. Mais j'ai des habits propres, enfin voilà, j'ai un aspirateur, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Voilà. Top. Merci Emmanuel. Est-ce que vous avez encore, t'as encore quelques minutes avec Charlotte pour répondre aux deux, trois personnes qui sont en attente depuis tout à l'heure? Ouais, Charlotte, t'as un peu de temps, toi, c'est bon? Je veux Ok. juste parler la question de Noémie, de Joël, de Christian et de Matt, voilà, qui attendent depuis tout à l'heure. Et puis ensuite, on va pouvoir se dire au revoir. C'était déjà très complet. Merci. Et encore une fois, je publie sur le forum, donc vous pouvez continuer les échanges par la suite. Ok. Dans le chat, donc Noémie, je t'en prie, si tu es encore avec nous. Je suis encore avec vous. Alors. Eh ben, merci beaucoup déjà pour la présentation. Merci. Moi, ça m'intéressait parce que j'avais un projet camion, donc ça rentre pas tout à fait dans le cadre de la présentation aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas Oui. si c'est hors sujet. Voilà. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. T'es Écoute. là? Ah, elle est partie, Noémie. Ah, ça a coupé malheureusement. Est-ce que Joël, en attendant, tu peux poser ta question? Noémie, on reprendra ta question par la suite si tu veux remettre ton micro. Oui, bonjour et bonjour à tous. Et bon, merci Emmanuel pour ce brillant exposé. Enfin, ça, en tout cas, ça Merci d'être là. Donc, j'avais plusieurs questions. Que se passe-t-il en fait si on charge, si les batteries arrivent, on les charge à bloc? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le MPP, en fait, il dirige le courant qui n'est pas utilisé dans la Terre ou je ne sais où? Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, alors le gros avantage, oui, j'en ai pas parlé de ça, mais c'est que le MPPT, il arrête de produire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin d'énergie, elle n'est pas produite. OK. Donc on économise en plus notre panneau. C'est-à-dire que le panneau, quand tu prends un panneau qui va être pour l'autoconsommation et la revente, il est du matin au soir, il est à fond. Donc lui, on va dire que son silicium, il va s'user, il va s'altérer toute la journée. Nous, si à 10 h la batterie elle est pleine et que tu n'es pas là et que tu étais parti au boulot et qu'il n'y a pas de consommation, eh ben, le panneau, il s'arrête de produire. Il s'arrête de OK. produire parce que le MPPT lui dit stop. Ça marche. Donc il n'y a pas d'énergie perdue. Voilà. OK. J'avais une deuxième question. Donc, la problématique des risques climatiques comme les grêles, la grêle, qu'est-ce que quand on a des averses de gros grêlons, est-ce que les panneaux en fait ont une capacité de résistance en fait à des grosses averses de grêle? Alors oui, bah tu verras sur notre site, sur la page photovoltaïque, il y a une vidéo de Meyer Burger. Ils font des tests. Ils mettent le panneau à plat et ils jettent des projectiles dessus. C'est l'équivalent d'une balle de tennis en plomb, tu vois, et ils te la posent dessus et en fait, bah, il ne se passe rien. Ok. Alors après, si vraiment tu as un gros coup de grêle, alors ce qui peut arriver de temps en temps, c'est les gens qui ont des panneaux en plein champ et qui ont un rotofile et qui passent le rotofile dans les cailloux, tu peux avoir potentiellement un caillou qui gicle. Si tu as un panneau qui est en bivert, il va normalement résister selon l'impact. Si tu as un panneau qui est en polymère ou autre, bon bah lui, directement, il est foutu. Bon, voilà. Mais Okay. voilà, la grêle, oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour résister à des charges de l'ordre de, pareil, on est sur 500 km², tu vois. Donc, s'il peut y avoir 5 mètres de neige sur le panneau, il risque rien. Okay. Tu verras, la vidéo est assez intéressante parce qu'il teste ça sous atmosphère de chaleur, avec beaucoup d'humidité, avec enfin voilà, il y a plein de tests. Et un panneau, en fait, il résiste vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. La seule chose qui peut être embêtante, c'est quand tu le rayes, parce que du coup, il va perdre un petit peu de sa performance au niveau de la cellule qui est rayée. Ça va faire une petite zone d'ombre, mais voilà, c'est tout, quoi. Aujourd'hui, un Okay. panneau, moi, des cas de casse sur des panneaux, c'est hyper rare, quoi. C'est vraiment des panneaux de pas super bonne qualité avec des gens qui passent au rotofile à côté. Ok. Sinon, en fait, le groupe électrogène, je pense que c'est plutôt une bonne alternative pour être indépendant sans être sur le réseau. Ouais. Moi, je voyais le groupe électrogène juste pour charger les batteries. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça, on alimente aussi le tableau par exemple, de la maison avec. Dans l'idée, nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu allumes le groupe, c'est pour alimenter la maison. Et s'il y a du surplus, il charge les batteries. Ce qui fait que tu D'accord. n'as pas de coupure. Alors tu peux, hein, tu peux, tu as les deux formules. En fait, Ouais. c'est toi qui décideras manuellement sur ce que tu veux faire. Tu peux également allumer ton groupe et charger ta batterie, mais pendant ce temps, tu n'as pas d'alimentation dans ta maison.
Voilà. D'accord. C'est juste c'est l'un ou l'autre. Hein, mais c'est pour ça que nous, on préfère ça. On préfère alimenter la maison. Tu peux en profiter justement pour. Ben si vraiment tu as une semaine de mauvais temps et que tu dis, bon, il faut quand même que je fasse une lessive, là, ben tu fais ta lessive, tu as ton groupe, et puis au moins, c'est le groupe qui prend le relais sur la machine à laver. Et puis, ben, s'il y a du surplus, il chargera ta batterie, et s'il n'y en a pas, ben, tant pis. Voilà. En gros, c'est quoi? C'est un groupe de quelle puissance en fait Sur une installation, si tu veux, hein, le standard chez nous, c'est 5 kVA. Donc, c'est ce qu'on installe en général en conversion. Donc, 5 kVA, ça fait 4000 watts en continu. Et je peux dire que déjà, 4000 watts, il faut y aller. Tu prends l'exemple d'une machine à laver. Si tu es en autonomie en eau, bah, tu as aussi une pompe à eau qui va faire entre 500 et 1000 watts. Donc, ta machine, ça va être 2000 watts au niveau de la résistance. Donc, ça va te faire 3000. Donc, il te reste encore 1000 watts pour le frigo, deux ampoules, etc. Donc, ça passe. Tu vois, donc si tu es comme ça, tu prends un équivalent de groupe électrogène avec un 5 kVA pareil en puissance et tu verras sur le site, il y a un petit calcul qui t'explique un peu comment tu peux choisir la puissance de ton groupe. Mais voilà, en gros, pour un convertisseur 5 kg, tu prends un 5 kg de puissance. Ça marche. Et enfin, dernière question. Batterie de. Question, ok, peut-être ce sera vraiment la dernière, s'il Oui, te pardon. plaît. Alors, pour le temps. Quelle est environ, enfin, quelle puissance de batterie, enfin, unitaire, hein, je parle d'unitaire, batterie nickel fer, faut avoir pour, enfin, après, c'est la multiplication, bien entendu, des batteries. Est-ce qu'on peut les monter dans un camping-car ou dans un bateau? Est-ce qu'elles supportent en fait les vibrations, tout ça? Ah oui, ben, c'est pour te dire, en fait, les nickel-fer sont utilisés dans les sous-marins. Ok, d'accord. Par contre, le truc, c'est que c'est vachement lourd et que, à mon avis, dans un sous-marin, ça passe. Dans un bateau, bon, tu vois, ça fait quand même 1 tonne, quoi. Donc, on va dire que tout ce qui est mobile, encore une fois, c'est pas l'idéal, c'est pas trop fait pour ça. Mais les sous-marins nucléaires utilisent ça parce qu'ils savent que c'est une batterie qui résiste à tout. Ouais, bien sûr. Ok. Mais dans un cas, pour moi, si tu veux, c'est pas très judicieux quand même, à part dans une maison. Où, voilà, ça reste intéressant, mais tout ce qui est mobile, c'est vachement lourd. Hein, ouais. D'accord. Bah, merci pour toutes ces réponses. Merci beaucoup, Bah, je t'en Emmanuel. prie. Christian, je ne sais pas si tu avais une ultime question, et sinon, ou si on y a répondu entre-temps. Il y a eu, oui, il n'y avait pas Noémie. Elle est partie. Noémie, elle a un problème de micro, elle a dit qu'elle regardera le replay et qu'elle posera la question Ah, dans. ok. Moi, j'avais une question qui est plus sur l'autoconsommation que l'autonomie. Ouais. En fait, il y a deux écoles. Il y a l'école routeur et l'école domotique. Ouais. Routeur, apparemment, ça dénature quand même le courant, ça le hache, et on pourrait avoir des dommages sur d'autres appareils de la maison. Domotique, nettement moins cher, plus agile et permet des extensions. Un Tu parles par avis? rapport à quoi? Par rapport au Oui, choix des le choix ou entre les deux, entre routeur ou domotique, pour maximiser son autoconsommation. Je veux dire, si tu veux, c'est ouais, c'est alors c'est pas mon cœur de métier parce que c'est un truc où j'ai pas trop voulu m'intéresser à ça parce que voilà, c'est pas là-dessus que je m'exprime le mieux. Mais en fait, si tu veux, le truc c'est que le routeur c'est vraiment informatique, donc c'est de l'électronique. Comme tu dis, ça va hacher. Et la domotique, eh ben, on va dire que pour moi c'est quand même mieux parce que tu peux programmer ce que tu veux, mais ça reste de l'électronique de toute façon. Et tout ce qui est électronique, ben voilà, c'est pas forcément des longues durées de vie, à part certaines choses comme Victron qui font des choses qui durent. Mais tu peux aussi trouver des appareils qui sont peut-être plus performants que celui que tu as et qui te permettent de faire ce que tu as envie de faire. Mais parce que tu veux sélectionner entre tes panneaux et ton réseau, En c'est ça fait, ou pas? quand mes panneaux produisent en pleine journée plus que ce que je consomme, j'aurais fait tourner mon chauffe-eau pour stocker du coup l'énergie dans mon chauffe-eau, ou éventuellement, si je suis absent, chauffer un peu ma maison via le sèche-serviette simplement qui va me chauffer à 1000 watts Ah ouais. et avoir des options à distance, quoi. Bah, le mieux, c'est que dans ce cas-là, tu as des inverseurs de source automatiques. Donc là, on est quelque part un peu sur de la domotique, si tu veux, mais c'est un inverseur de source. Donc tu as tes deux arrivées, donc soit photovoltaïque, soit réseau, et puis là, tu as la sortie qui est ce que tu vas alimenter. Et lui, en fait, avec un delta de 0,2 secondes, il va basculer sur l'un ou l'autre en fonction
du prioritaire ou du secondaire. Ça s'appelle inverseur de source automatique. Tu peux regarder ça éventuellement. D'accord, Voilà. merci. Sans problème. Ben, si tu veux des références, on en a hein, chez nous. Voilà, on te donnera ça. Merci Emmanuel. Sans problème. Bon, sur ce, je sais qu'il y a encore plein de questions. Je suis vraiment Ah, désolé de devoir se dire au revoir. Merci beaucoup Emmanuel. posez-les-nous sur le site, posez-les-nous Voilà sur le ce que forum. j'allais Sur le dire. forum, Je oui. donne On fera ce le qu'on peut. Posez-leur la question directement. Contactez-les, ça fait un bon prétexte. Et puis, vraiment merci pour votre temps. C'était super complet et super riche. Donc, Bah, merci à toi en tout cas pour l'accueil. Hein. avec grand plaisir. On a été 70. Là, on a encore une quarantaine de connectés. Donc, je suis sûr qu'il y a encore plein de choses voilà, qui n'ont pas été Ouais. traitées. Mais on a un petit aperçu de la richesse de l'accompagnement que vous pouvez proposer, quoi. Donc, Ouais, mais après, avec plaisir. on pourra en faire une. Hein. On se refait une visio à la rentrée si tu veux. Hein. Et bah, volontiers. La demande est forte. Les échanges sont heureux. Donc, ouais, avec grand plaisir. Ok. Merci tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une Merci fois, à vous pouvez tous. soutenir aussi ce format avec le petit chapeau que je fais circuler. Ça nous aide aussi. N'hésitez pas. Et voilà, à bientôt tout le monde. Je publie bientôt. Merci. Salut! Au revoir, bonne soirée. Ciao, merci Charlotte.